Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous l'avez compris, comme vous la comprenez, comme vous l'entendez, à la musique. Dommage, ça va pas bien. Comme vous le comprenez, à la musique. Et où ? À l'arbre que j'avais en main. Effectivement, aujourd'hui, je vais découvrir pour la première fois l'histoire des jeux Halo. Mais je ne serai pas tout seul. Oula, oula, pourquoi la musique est en deux fois là ? Ah oui ! Ah mais oui, c'est vrai ! Attends, attendez, qui a la musique ? Oh ! Oui ! Oui, oui, sous ça c'est très bien, très malin, très malin. La musique, la bonne. Qui a mis la musique en fond ? Bonjour le site du coup, bonjour Aigle Show, bonjour Marombre, bonjour Gandalf le magicien. Bonjour à tous. Comme vous le comprenez, aujourd'hui je vais découvrir la saga Halo en jeu vidéo du coup. Parce que ça existe aussi en série. Et du coup, bah, je ne serai pas seul. Car pour m'accompagner aujourd'hui, je serai avec... je serai avec mon ami Damien, aka Enwick TV sur Twitch. M'entend-il ? On ne m'entend pas. Merdoum ! On n'entend pas encore. Si, non, oui, non, oui, non. Bon, bref, il va nous débarquer après. Donc, je ne serai pas tout seul. J'ai du coup Enwick, qui lui est un gros fan de la licence, de la saga même, des Halo, qui va m'accompagner pendant ma campagne, en fait. Pendant la campagne des différents jeux. Donc, nous serons deux à faire une campagne, du coup, en coop. Tout simplement, en coopération. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui vont regarder ça en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un follow, enfin bref, tout le bordel habituel. Et voilà, et puis bien sûr, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch pour voir justement les campagnes en avance. Alors, il faut savoir que du coup, ça sera tous les dimanches, de 17h à 20h, sauf si je suis pas disponible, bien entendu. Alors, il faut savoir que moi, de mon côté... C'est la première fois que je vais jouer à un jeu Halo depuis facilement 15 ans, je crois. Facilement 15 ans, ouais. Parce que j'ai fait des multis. En fait, le dernier Halo auquel j'ai joué, c'est Halo 3. Et j'ai fait le 1, le 2 et surtout le 3 en fait en multi et notamment en local parce que vous savez, on est grand scindé pour ceux qui se souviennent. Parce que bah, quand j'étais jeune à cette époque là, il y avait des voisins des gamins de mon âge à côté de chez mes grands-parents. Avec lui, bah, quand ils étaient là, bah, en fait j'allais chez eux et on jouait à Halo. Donc c'est comme ça aussi que j'ai découvert la Xbox. Sans déconner, hein, j'ai joué à la Xbox parce que bah, il y avait des voisins qui étaient avec leur Xbox et on jouait à Halo. Voilà, on faisait des modes forges et on faisait de la merde. C'était... Et voilà, et je n'ai jamais fait les multis. Enfin, je n'ai jamais fait les campagnes, pardon. Donc je ne sais pas du tout l'histoire, en fait. Je sais vaguement des trucs, parce que bon, quand même, avec le temps, le jeu a eu le temps de se faire. Donc j'ai appris des trucs divers et variés, je connais quelques trucs. Mais voilà, je n'ai jamais fait... les campagnes, et donc du coup avec Enwick, je vais aujourd'hui découvrir cela avec vous, en fait, d'une certaine manière. Enwick, lui, il a pas encore lancé son live, ce con là. Il a pas encore lancé son live, ce con, mais n'hésitez pas à aller le voir, dans 10 secondes vous allez voir sa tête. Préparez-vous. Préparez-vous, regardez son stream. Ouais, son stream, normalement, il va pas tarder à apparaître. Voilà, préparez-vous. Il faut être présent sur son live, là. Ah non, son truc est encore... Ah d'accord, il nous a menti. Il n'est pas encore là. Mais que fait-il ? Qu'est-ce qu'il fout ? En tout cas, Enwick, n'hésitez surtout pas à le suivre sur Twitch. Parce que mine de rien, bah, il... Voilà, donc Enwick qui devrait apparaître... incessamment sous peu. Où est-il? Que fait-il? Qu'est-ce que tu fous, Enwick? Qu'est-ce que tu fous? Où tu es, Enwick? Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Damien. J'étais avec lui. C'était avant les vacances.
avant les vacances, oui, il me semble, ou après, je sais plus. On a fait une session, on a essayé de faire le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi en coop. C'était en 2023. Donc c'était en décembre. Pour ceux qui étaient présents, vous avez vu un peu. Ah, il est là. Regardez, il est là. Regardez. Ah, oh, il est beau. Ouais, je me suis habillé pour l'occasion. Ah là. Attendez, je descends un peu. Ça va ou quoi? Voilà, donc lui, il a plus ou moins le costume machin. Moi, j'ai le flingue. Lui, il l'a pas. Comment ça va, vous? Non, mais ça va. Harcelez-le pour qu'il vienne en vocal, ce con. Ouais. Emmerdez-le pour qu'il vienne en vocal. Il n'y aura pas de remboursement. Ça n'existera pas. Alors, et lâchez-lui, et d'ailleurs, tant que j'y suis, les gens sur YouTube ou Twitch, machin, n'hésitez pas à lui lâcher un follow pour le soutenir, parce que ça fait pas longtemps qu'il s'est mis sur Twitch, il fait du coup du bien quali, il a une bonne ambiance, c'est un gros fan de licence comme moi, comme Seigneur des Anneaux, surtout lui, c'est notamment les jeux Halo, la SF en général, tout ça, donc n'hésitez pas à aller le soutenir et à le follow. Impérativement. Voilà, et là je sens qu'il va venir nous rejoindre en vocal dans pas longtemps, donc du coup je vais pec mettre de côté. Encore une fois, je vous mets son lien Twitch ici pour ceux qui veulent regarder son point de vue. Et bah, du coup, il y aura une rediff. Oui, il y aura une rediff sur la chaîne YouTube. Il y aura une rediff. D'ailleurs, vous pouvez dire bonjour à YouTube tant que j'y suis. La rediff est déjà en cours, c'est en train de tourner, voilà. Vous pouvez dire bonjour à YouTube. Déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fout? Il est où ce gland là? Toutube? Oui. Hello, je ne vais pas spoil le jeu. Enfin, c'est un gars à l'eau. Oui, alors j'ai envie de vous dire, est-ce que quelque part c'est pas un peu une hérésie? Parce que j'ai découvert un peu l'histoire via la série. Alors je sais que le personnage de Master Chief n'enlève jamais son casque. Je suis très bien au courant de ça, donc ne venez pas me dire que voilà. Mais du coup, moi j'ai découvert l'univers un peu plus profondément avec la série. Et j'aime bien, voilà. Moi j'aime bien l'univers, c'est sympa. Je commence à mettre des super soldats, un peu comme des Space Marines, mais en moins bien, parce que les Space Marines c'est mieux. Et Warhammer 40 000, tout ça, évidemment, hein. Évidemment. Ce qu'il fout. Qu'est-ce qu'il faut? Viens en vogue, couillon! Fichier! Oui! Oh là là! Mais plus on me dit de faire un truc, moins j'ai envie de le faire. Hein. Casse les couilles. Quoi? Comment ça, casse les couilles? Casse les couilles! Moi, j'ai envie de le faire! C'est vrai, j'aime pas. Bah Damien, tu peux dire bonjour à YouTube du coup, vu qu'il y aura la rediffusion. Bonjour à YouTube. Voilà, donc c'était Louis TV. J'ai même pas dit bonjour à mon YouTube à moi, carrément. Ah t'as lancé la rediffusion. Bonjour à ton YouTube. T'as lancé de ton côté aussi. Bah bien sûr, j'ai lancé. Eh bah bonjour le YouTube de Enwick du coup. N'hésitez pas à vous abonner, nos liens respectifs sont en description. Ouais, exactement, comme il a dit le monsieur. Bon, comment ça va toi? Bah écoute, Est-ce qu'on fait genre on n'était pas ensemble avant ou... Non, on fait pas genre, on s'en fout. Ok. Est-ce qu'on fait genre... comment tu vas? Ça ah fait longtemps qu'on ah s'est là parlé. Là. On était en vocal tout à l'heure. C'est ça, on était en vocal pendant près d'une heure pour préparer le bordel. Voilà. Vérifier tout ça. Et puis encore, on s'est vu hier, donc bon... Oui, voilà. Donc en vrai, ça va, quoi. Eh ben, bonjour au chat. Bonjour aux deux chats, ouais. Alors pour information, je pense que Enwick a dû vous le dire de votre côté, mais pour moi, ça va être ma découverte totale de l'histoire des jeux Halo. Exactement. Voilà, bah, je connais les modes multi. Il a fait du multi. C'est ça, je connais les modes multi, surtout le local, c'était surtout quand j'étais gosse, mais la dernière fois que j'ai joué à Halo, c'était il y a facilement 15 ans. Et tu sais qu'il y en a qui sont sortis depuis. Oui, je sais, et puis il y en a qui sont nés et qui ont joué au jeu dans ces 15 années. C'est vrai, hein. Ça c'est pire. C'est vrai, hein. Depuis la dernière fois que t'as joué, il y a des gens, ils sont nés et ils sont au lycée. Complètement, ouais. Bon, voilà. Vous remarquez, Enwick, lui, il a son costume. Moi, j'ai le flingue.
Ouais, mais c'est normal que j'ai pas de flingue. Parce que I need a weapon. Yes, you can have one if you want. Yes. Yes is a weapon. Si. Yes is a giro. Yes is a weapon. The weapon is yes. Donc yes, en tout cas, bah, le mon Twitch, moi de mon côté, n'hésitez pas à aller follow Henwick sur sa chaîne pour découvrir ce qu'il fait tout ça, et puis voilà, parce que c'est un très bon ami. Déjà, hein. Oui, oui, je sais, j'ai vu Gandalf qui a lâché le truc. Regardez, regardez le channel. Wouhou. Ça manque d'une armure au DST tout ça. Lui il l'a, ouais, moi non. Enfin. Non mais en vrai de vrai, moi c'est alors non, les armures au DST c'est stylé, mais une armure ODST ou une Mjolnir Mark 5, Mark 6. Oh, y'a pas photo! Y'a pas photo! Merci, Visares. Ah, attends, et je viens de me rendre compte que j'ai pas le son des alertes. Ah. Visares, du coup, il sera membre merci, de la sauce. Visares. D'ailleurs. Ok. Il sera vendre de la sauce. Oui, parce que du coup, pour ceux de ma chaîne YouTube, je suis en train de fonder une association, mais ça, je vous ferai une vidéo plus précise une autre fois. Et ouais, il fera une vidéo plus précise. Tout à fait. En vrai, de vrai... En tout cas, voilà. Je suis perturbé par la musique parce que j'ai la musique dans mes oreilles et elle est juste exceptionnelle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, concernant ce qui va se passer, du coup, on va découvrir. Enfin, je vais faire ma découverte du coup des jeux avec Henwick qui va m'accompagner et m'expliquer le lore, tout ça. Et du coup, voilà, on va passer un bon moment. Lui, ça va lui rappeler des souvenirs. Moi aussi, mais pas les campagnes en tout cas. Et on va faire ça par ordre de sortie des jeux, pas par ordre chronologique, mais par ordre de sortie des jeux. Comme ça, moi, je découvre les jeux. C'est Halo tout court dans le premier, non? Halo Combat Evolved, premier du nom. Ouais, voilà, c'est ça. Non, parce que chronologiquement, c'est Halo Wars. Oui, je sais, mais moi, je parle, on va faire part, j'ai dit ça par hors de sortie, tu m'écoutes quand je te cause, merde. Voilà. Mais justement, j'apporte des précisions à ton discours. Mais du coup, voilà, on va faire la découverte, je vais faire la découverte des campagnes avec Henwick, par ordre de sortie des jeux, du coup, donc avec le tout premier Halo, qui est Halo Combat, machin truc. Il a dit machin truc. Ah voilà. Oh, je vais me battre physiquement avec mes poings. Là. et après, du coup, on va faire au fur et à mesure. Gens, donc, ce sera notre rendez-vous du dimanche après-midi. Au moins un dimanche à chaque fois. Tous les dimanches normalement. Sauf si moi je suis pas disponible ou si lui il est pas disponible. Mais concrètement, voilà, ça va être notre rendez-vous du dimanche après-midi. 3 heures de gameplay à chaque fois, à peu près. Qui moi de mon côté sur YouTube seront divisés en épisodes de 1h30 chacun. Donc du coup ça fera à chaque fois 2 épisodes par semaine en gros qui sortiront sur ma chaîne YouTube. De ton côté je sais pas si tu vas faire ça en un seul bloc ou en plusieurs épisodes. Je sais pas. Mais donc du coup en tout cas vous pourrez voir, vous aurez mon point de vue principal qui est vraiment le plus important parce que c'est moi qui découvre, lol. Et vous aurez son point de vue aussi du coup sur sa chaîne YouTube. Donc du coup vous pourrez voir les rediffs de chaque côté, ça, voilà, vous pourrez vous amuser à faire ça. Donc, vous pourrez voir les rediffs du côté de la personne aigrie et qui est blasée de tout. Et qui se fout de la gueule des gens qui vont découvrir. Oui. Ça ce sera moi. Tout à fait. Il y a des saccades sur mon stream, je sais pas pourquoi. Va savoir. Donc du coup, là, le jeu, on n'est pas sur le Halo premier du nom. En fait, on est sur le Halo The Master Chief Collection. Donc en fait, ça regroupe tous les jeux Halo dans un seul truc. Donc vous pouvez l'avoir sauf sur Halo Xbox. Halo 5 et Halo Infinite. Ouais, sauf les deux derniers, effectivement, Halo 5 et Infinite. Disons que ça regroupe vraiment, on va dire, les plus importants. Et les Halo Wars. Il y a pas les Halo Wars, c'est ça, ça regroupe... En fait, dans la Master Chief Collection, ça regroupe les épisodes principaux de la saga, donc du premier jusqu'à Halo 4. Ouais. Donc t'as Halo 1, 2, 2 Anniversary, sachez-le, hein, parce que c'est le remake. Oui. Qui est exceptionnel. Bah c'est Halo 1 et Halo 2 Anniversary. Ouais, c'est ça. Parce que c'est les deux seuls remakes qu'il y a eu. Voilà. Tout le monde espérait un Halo 3 Anniversary. Que Nini Jeune Seigneur, il n'y aura rien. Donc bon, tant pis. Donc ça fait Halo 1, 2, 3, ODST, Reach et Halo 4. Voilà. Donc il n'y a pas Halo 5, il n'y a pas Infinite. Et il n'y a pas Halo Wars aussi.
Il n'y a pas Wars 2, il n'y a pas les Spartan Strike, les... Donc voilà, donc tous ces trucs-là, ça viendra concrètement plus tard, parce que d'abord, on va faire tout ce qui était avant, en fait. Mais dans Fourneau, il faut commencer par Reach. Non, j'ai dit, on fait pas... J'ai pas parlé de ordre chronologique, j'ai dit qu'on avait fait par ordre de sortie. De sortie. Et voilà. Comme ça, moi, je découvre le jeu. Moi, j'avais envie de découvrir les jeux de cette manière-là, comme tous ceux qui ont découvert les jeux, en fait. Je trouve ça beaucoup Sachant plus sympa. Sachant que Halo Reach est sorti en septembre 2012... c'est pas le premier, quoi. Voilà. Donc là, on fait le premier, Halo 1, puis Halo 2, puis Halo 3, puis ainsi de suite. Voilà. Donc, non, mais surtout que je trouve que commencer par Halo Reach, ça diminue l'impact émotionnel qu'il a. T'as des sacrées révélations. C'est un peu, je pense, comme si tu voulais regarder la prélogie avant la trilogie originale, je pense, non? Bah déjà, ouais, il y a un peu de ça, et puis... Non, il y a des trucs qui se passent dedans où... si tu sais... En fait, si tu fais les autres jeux en sachant ce qui s'est passé à ce moment-là, tu te dis, ah putain, chier. Ouais, mais comme il dit, comme il dit Vince là sur mon chat, c'est mieux de commencer en ordre de sortie, tu vas découvrir en même temps l'évolution du gameplay. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que honnêtement, tu fais Halo Reach et qu'après tu passes au gameplay de Halo Combat Evolved... Ça va piquer. Ça pique sévère. Bah du coup, voilà, bienvenue sur le jeu. Alors merde, il faut que je fasse la modif. Alors c'est pas ça que je veux. Ah là, capture le jeu s'il te plaît. Il est là, paf. Voilà. Capture et capture. Yes, oh putain. Ouh là, petit réglage. Encore petit réglage. Et voilà. Donc du coup, bah là, c'est Enwick qui host la partie, donc c'est, enfin du coup, voilà, donc c'est lui qui il m'a invité et sur oui, la game. C'est oui. Et donc du coup, bah, on va pouvoir découvrir, donc lance quand tu veux. Et bah déjà, regarde. Et puis bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un follow sur Twitch pour ceux qui veulent être sur Twitch et voir justement les rediffusions avant tout le monde, avant que ça sorte, pouvoir ne serait-ce que participer dans le chat, et à nous soutenir sur nos différents réseaux, tout ça, voilà. De toute façon, pour les réseaux d'Enwick, moi ce sera en description, et puis pour mes réseaux, je pense que ce sera en description de sa vidéo aussi. Oui. Voilà. Faut juste pas que j'oublie, c'est tout. T'inquiète pas, si c'est pas marqué, je t'insulte. Eh bah, merci Godulf, et à très bientôt. Et je repasse quand tu veux. Au revoir, Godulf. Allez, on dit au revoir, Godulf. Au revoir, Godulf. Alors, bon, bref, campagne. Allo, Combat Evolved Anniversary. Ouya. On fait un légendaire avec tous les crânes activés. Non, pardon. Non, mais tu veux ma mort, toi Excusez-moi, j'ai craqué. Bon, enfin, quand même, on met Boom et la fête au grenier parce que c'est rigolo. Si tu le dis. Le Pillar of Autumn. Moi, je veux juste découvrir le jeu, moi. Écoutez-moi cette masterclass. Putain. Oh, les musiques de ce jeu. Ah, ça. Sorti en 2001. Pardon, ouais. J'aime Halo. Voilà. Vous avez pas remarqué rien que parce qu'il y a derrière moi. Bon, est-ce que tu es prêt? Moi je suis prêt, je t'attends. Ok, est-ce que ton chat est prêt? Oui. T'es sûr? Bah, y a pas de réponse, donc je dirais oui. Ils ont pas le choix de toute façon. D'accord. Chez moi, vous êtes prêts? Eh bah, c'est parti. Eh ben très bien. En avant pour la découverte de Halo. En avant. Premier du nom pour ma part. L'aventure. En haut vers l'aventure. Ça se lance pas là. Ah si. Mais enfin, mais tu ne te lances pas du tout. Ah ouais. Bon alors. Il y a des cinématiques, des trucs dans le genre Ah, bien sûr qu'il y a des cinématiques. Ah, merci, parce que ce serait con de ne pas pouvoir en profiter, quoi. Oh. Bon, on voit ça vieille, quand même, mais c'est classe. Et encore, c'est Pillar of Autumn. Ok, c'est le nom du vaisseau spatial, ok. Je connais pas la touche sur PC pour changer le... Ouais. Le... Je regarde assez. Ah, et puis il y a le Halo, ok. C'est vaisseau humain, ça, oui.
chez nous. Un gros réacteur à l'arrière. Voilà, taille du bestiau. Ouais, mais ça va, les vaisseaux Warhammer 40 000 sont plus gros. Ah merde, pardon, ça parle. Oula, la VF. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. Ah oui, non, mais c'est 2001. Non, mais en vrai, là, c'est les graphiques, je crois que c'est 2010. Comment sont-ils comme ça ? Arrivés ici avant, leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides. Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein. Avant de décélérer, mais personne chute. N'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Ils nous attendaient de l'autre côté de la planète. Ok. Alors, qu'en est-il ? Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours. Rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Ah. Avec 3 vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Tu sens que le rétablissez l'alerte alpha. Le doublage à l'époque est pas encore foufou. Tout le monde à son poste. Tout le monde ? Tout le monde. Je cours, bordel, je cours, regarde, je cours. Pas trop faible le son, bah oui, je sais, je vais attendre. J'ai déjà commencé. Ah, mais c'est Cortana ! Mais c'est ça, cette voix chelou ! Bah oui, c'est Cortana. Bah oui, c'est Cortana. Bah désolé, le son, je vais l'augmenter après. Moi, le son chez moi, c'est bon. Dites-moi. Mais dites-moi aussi de l'autre côté, hein. Vous êtes sûr que c'est pas dans votre casque, vous avez pas aussi augmenté. Tiens, les sons ont de la gueule. Hein. La bagarre. La bagarre. Je veux un GN Warhammer. Un GN Halo, putain. Oh, quel bonheur. Vous imaginez un jeu de rôle nature Halo, ce serait génial. Ceci n'est pas un exercice. Ouais, t'as vraiment envie de dire Warhammer, toi. Ouais, bah Warhammer, en même temps. Hein. Ça soit la nostalgie, tout ça. Ouais, tu m'étonnes. Les pilotes ont commencé. On quitte ce vaisseau, les gars. Et on attaque les Covenants sur la terre ferme. Quand on va leur tomber dessus, on va leur faire sauter la cervelle et bien rigoler. Oui, monsieur. J'ai raison, Marines. Oui, sergent. Ouais, sergent. Ah oui, j'ai raison. T'en charme en flingue. Et ça saute. Votre attention, à nous attaquons le gros ennemi. Contact externe et interne imminent. Johnson. Et vous, les bleus qui vont y voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés. Ce qui est fou, c'est que je crois que dans le 1, il est pas nommé. Je sais pas. Bien. Waouh. OK. Système fondamental activé. Ouverture dans 30 secondes. 30 secondes. Oh, la musique. Là, j'ai presque envie de mettre mes chaussons tellement j'ai froid aux pieds. Je t'avoue que ouais, pareil. Ça y est, ouverture dans 5 secondes. Eh, presque pareil, non? Presque pareil. Ouais, même armure hein. Eh. Presque la même chose. Ok, donc là faut que j'augmente le son moi. Alors, ta gueule, il faut que je mette le son. Oh wow. Hey you there. Madame. Va jouer. T'es où, t'es où? Viens là, je joue à chat. Je joue à chat, je joue à chat. On joue à chat. On joue à chat. Oh là, putain de merde. Bah moi je veux augmenter. Attends, faut que je monte le son moi dans mon truc parce qu'ils entendent pas tout bien apparemment. Et bah augmente le son. Ah, je vais baisser la musique du jeu par contre. Oh l'hérésie. Hérétique. Bah c'est ça où j'ai plus de rêve. Il a baissé la musique du jeu. Ah. On n'a pas vu lui mourir. Du coup. Attends, j'arrive. Ça pète de partout. Par où qu'il faut aller? A explosé. Par là. Pas par là. En fait la porte elle a explosé. Non, si c'est par là. C'est par là. Ah putain, j'en ai marre de sauter, on dirait que je suis en apesanteur sur la lune. Par là, c'est par là, c'est par où, c'est par là. Oh non, monsieur est mort, rien à foutre. Ah putain de merde, on va tous crever. C'est beau. Je oh suis des Covenants. Bonjour vous, ça va? Hello. Je suis en observation là, je te jure, je. Tu en découvres. D'être en stage avec toi quoi. C'est exceptionnel. Par là. Y'a un accès. Je veux juste voir tes réactions, c'est exceptionnel. Ah là, c'est fermé, c'est fermé, là. Alerte à tout l'équipage. Donnez-moi un flingue. 4, 7 et 12.
Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs là? Ok, des gros bleus, je connais. J'ai des trucs, je reconnais de la série. Pardon. Bah oui, je découvre la série, moi. Un peu l'histoire, en tout cas. Non! Si. Tu ne parles pas de la série! Si, il y a même une saison 2 qui arrive. Ça y est. Bon bah, le live est annulé. C'est bon. Donnez-moi un flingue! Fils de pute! Là. Doucement. Putain, enfin, il remaster, alors j'imagine pas comment ça. Si on jouait à la vraie version. Bonjour. Nous attend, chef. Attends, salut. Comment. Attends, je vais essayer de voir si. S'il y a pas dans les. Yo. Genre, dans les touches, genre comment changer le. Oh, je me demande si c'est pas avec tab. Oh oui. Oh, tab, oh putain, ouais. Oh, c'est tab pour lancer ça. Oh mon dieu. Voilà, voilà la différence. Le jeu. Voilà, le jeu c'était ça hein, à l'époque. Ouah. Ouah. Alors la question c'est. Plus jamais la, mal. La question c'est est-ce que. Le chat, dites-moi. Les chats, dites-nous, est-ce qu'on joue à la version à l'ancienne ouais, ou est-ce qu'on joue avec la version nouvelle? Dites-nous. J'avoue, non parce que regardez hein. Là c'est exceptionnel. Déjà là il n'y a pas de. Tchat. Point de contrôle. Non, il a fait la cinématique. Ah. Capitaine Key. C'est tab pendant la cinématique, c'est exceptionnel. Ravi de vous voir. Ah, on peut pas, merde. Ah putain. On peut pas pendant les cinématiques. Tant pis. Dites-nous comment on fait. Ça me demande la nouvelle de mon côté. Moi ça me demande l'ancienne. Vu la situation, je suis contente avec 3. En vrai, ça pourrait être marrant. 3 contre 1 de mon côté. Ah, moi j'ai 2-0. Pilotage. Enfin, moi ça fait 3-0, pardon. Que vous bercez. Eh bah, tu sais quoi, toi tu fais la nouvelle, moi je fais à l'ancienne. Vas-y. Ah, ouais, grave. La conduite de tir du canon principal est désactivée. Capitaine, le canon était ma dernière. Le chat, vous m'aimez pas. Hein. Très bien. J'applique le protocole call article. Bon bah, si vous voulez la version toute moche, si vous avez vu la version moche, je vais chez Nwix. Si vous voulez la version belle, vous allez chez moi. Pendant ce vous coulez avec le navire. La version vintage. C'est à peu près ça. Oui. L'objet qu'on a trouvé, je vais essayer d'y poser l'automne. Sauf votre respect, chef. Oh putain. Cette guerre a déjà tué trop de héros. J'apprécie votre intérêt, Cortana, mais le protocole est clair. Hey, la Cortana. Destruction ou la capture d'une intelligence embarquée est Cortana. Hors de question. Ce qui veut dire que vous devez quitter le vaisseau. Désignez plusieurs zones d'atterrissage, téléchargez-les dans mon réseau neural et préparez-vous à un dur transfert. Aïe aïe, chef. Un dur transfert? Aïe aïe, ils ont vraiment traduit comme ça? Intervenez, adjudant. Débarquez Cortana du vaisseau. Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'ils la capturent, ils sauront tout sur nous. Est-ce que. Recherche alors, j'ai une vraie question. La attends. Terre. Je comprends. L'automne va continuer ses manœuvres jusqu'à ce que vous lanciez la séquence d'atterrissage. Séquence d'atterrissage. Un conseil. Laissez mes sous-programmes superviser l'approche finale. Excellent travail, Cortana. Merci. Vous êtes prête? Oui. Transférez-moi. Transfère-moi. Hein? Est-ce que vous voulez des petites anecdotes? Bonne chance, adjudant. Du jeu. Moi, je dis pas non. Ok. Alors, en fait, le. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne? Ce n'est pas le moment de plaisanter. C'est okay, pas le moment de plaisanter. Je vais allumer mes boosters. Oh mon dieu! Oh, je viens de switcher là! Ah, il a une gueule! Ah! Mais il y a tellement plus de détails dans la nouvelle interface du truc, putain, mais oh la vache. Partez, adjudant. C'est dur, hein. C'est dur, mais... La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, sachez bah, que... Moi, de toute façon, ça a choisi la belle version de mon côté, donc j'ai pas le choix. Master Chief n'est pas adjudant dans ce jeu, voilà. Mm. Il a toujours été major. Crève, enculé. Mais c'est quoi ces bruits? Ah non, mais non. C'est non. Quoi ces bruits? Mais parce qu'en fait j'ai mis que si tu mets des headshots au grognard ça fait des feux d'artifice. Ah. Et sinon pourquoi ils font des bruits de bébé les machins? Ah parce que c'est des... Ces marines sont besoin d'aide chef, faites au mieux. En fait c'est une erreur de traduction le grade d'adjudant. Je suis en train de taper sur un de mes gars là, tiens. Non mais il va mourir. Tiens. Crève enculé, t'es mort, hop il meurt avec le grand, j'ai récupéré le gun. Voilà. Bon après on est en normal hein, donc Combattant dépensé voilà. Ah tu m'as vraiment... Bien.
C'est... Ah, c'est à toi. Salut toi, ça va? Dis-moi, si tu arrêtais de bugger, tu te battais, non? Regarde, mais viens, regarde. Edwick, viens. Attends. Mais viens. Regarde, il y en a un là, il est tout gentil. Regarde, il est beau. Mais non. Mais c'est bon. Fais chier. Mais va chier toi. T'as buté un pote. Fais pas chier. Mais c'est pas un pote. Attends, comment on fait pour changer d'arme? Bah les touches au-dessus. Les touches au-dessus de ton clavier là. Pour changer d'arme. Oui, les touches au-dessus de ton clavier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est là où quand tu fais contrôle tout ça là. Alors là, il en est hors de question. Moi c'est là. Alors y'a quoi dans cette salle? Là y'a rien. Moi j'ai continué d'avancer. Tu es à moi! Pardon, mais il en est absolument. Tu es à moi, j'ai dit! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai. Mais pourquoi j'ai. Mais c'est toi que t'as voulu. Comment ça se fait que j'ai popé à côté de toi là? Mais parce que moi je suis parti en arrière. Bon, peut-être qu'un jour j'arriverai à la donner cette. C'est vu que j'ai ton live à côté, du coup je vois un peu le côté. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Qu'est-ce que c'est? Allez, casse-toi. Allez. Ah, d'accord. Je suis mort de décès. Ah bah moi aussi je suis mort. Oh, putain. Non mais je crois que c'est moi. Non mais je suis mort une première fois moi, après Ouais mec. Y'a des grenades ou pas encore? Ah, pas de grenades. Ah, des coups de crosse. Mais qu'est-ce que... Pourquoi je suis mort? Eh, faut que tu foutes le camp pour que je réapparaisse. Faut que tu foutes le camp pour que je réapparaisse. Oui. Fais chier lui. Bon, c'est pas grave, je vois ton point de vue sur ton live. C'est tellement différent, mais à l'époque, en tout cas, c'était... Pour l'époque, je pense que c'était vraiment ouf, mais là... Ils utilisent les sas de nos nacelles de survie pour avancer. Et je vous jure que je vous déteste. On sort et ils entrent. Ils sont malins. Regarde. Non, moi, je suis obligé de faire avec ça, quoi. Non, mais en vrai, c'est marrant. Oui. Allez. On la musique. Bon là pour l'instant l'histoire c'est on est arrivé là parce qu'on s'enfuit et Attends mais on se déplace en mode RP monsieur, on fait du RP. Et on déplace en mode RP. Eh bah t'avances, j'avance, mais si on fait du RP moi. Je fais pas RP moi. Je fais du RP moi. Bah tu fais ce que tu veux. RP. Oh c'est chiant. Non c'est rigolo. Je me suis fait jeter. What? J'avoue que c'est moi. C'est totalement moi. Totalement et complètement moi. MTPTPP. Où vais-je? Quel est le sens de ma vie? Ah d'accord, je crois que ça m'a tapé vers toi automatiquement. Tu vas pas du bon côté. Ah c'est pas grave, je suis là pour te ramener dans le droit chemin. De la merde leurs armes. Bah oui, t'as pris la pire arme du jeu. Je sais pas, elle a popé dans mes mains, j'ai rien demandé. Ah oui, charge le tir à la limite. Grenade. Wouhou. J'ai failli crever. Ah putain. Y'a pas de soucis. Regarde mec. J'ai été éjecté n'importe quoi. Ah c'est génial. Mais arrête, les grenades ça fait mal hein. Ah mais les façons de crever dans le jeu c'est nawak. Yeah. Tu vas où là? C'est pas par là. Mais je me perds, j'ai le droit de me perdre. Père, où vais-je? Quel est le sens de ma vie? Dans quelle étagère? Oui. Tu sais, de temps en temps, je me fais un petit... je repasse en graphisme nouveau pour voir ce que je rate. Ouais. Bah tu rates beaucoup de choses. Ah ouais. Non mais après moi je les ai fait 16 000 fois dans chaque graphisme et tout. Mmh. Merde, c'est quelle touche là? Protéger l'équipage, tiens, bouffe ça. Yes.
Sinawak, putain. L'opérationnel des ponts 9 à 12, joignez les postes d'évacuation. Merde. Immédiatement. Des Covenants, ils se posent au-dessus de nous. Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oh, qu'est-ce qu'il fait le jeu? On était à côté. Oh, j'aime trop. Attention, il peut être n'importe quoi. Ouais, il y en a plein ici, c'est bon, c'est... Grenade. Je tiens dans le tas au cas où, par réflexe. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà. Grenade. Très rigolo parce que quand tu... Quand tu lances une grenade en déplacement... Mais qu'est-ce que tu fais? Et par pitié? Je suis parti me battre. Mais... Pourquoi on vient là? Mais se battre, c'est pas mourir! Mais je mourrai pas. Mais si, t'es grave mort, on est mort non. Tous les deux. Non, mais non, c'est pas vrai. En tout ça, c'est mort là-bas, c'est parfait. Alors, vous avez des grenades sur vous? Alors, je tiens à dire que vraiment, si les ennemis ont rip-hop et qu'on est, on a tous les deux fini au même endroit... Spoiler, hein, on est mort. Hein. Mais il y a une grenade à côté de toi. Oui, c'est moi qui l'ai lancé. Mais c'est fou. Mais non, mais il y en avait une à tes pieds. Mais c'est moi qui l'ai lancé. Mais non. Mais si. C'est bon, m'emmerder, vous faites ça là. Bah bon, quoi, voilà. Oh merde. Ça explose ces trucs là. Mais c'est des grenades. Non, pas les grenades, connard, j'avais plus de grenades de toute façon. C'est les barils explosifs devant toi qui ont pété. Mais c'est moi qui ai explosé. Avec le putain de baril. C'est moi qui ai explosé. Bouffez ça. Merci pour vos grenades, les gars. Oh, vas-y. Allez. Et bouffez ça. C'était une grenade, connard. Est-ce que c'était... C'était quoi? Franchement, on... Je tiens à dire qu'on est un peu violent, là, sur Halo, quand même. Même. Je te déteste. T'aimes bien, hein? Oui. J'avoue que pour une découverte, c'était peut-être pas le meilleur move de ma part. Je kiffe ma vie. Abandonnez le vaisseau. Tu m'étonnes que le jeu ait marqué autant à l'époque. Tu commences et directement en pleine bagarre. C'est le bordel dehors. Et oui, c'est comme... Attends, viens, mets-toi la fenêtre. Viens où je suis. Mais j'ai pas les mêmes graphismes que toi. Mais justement, tu peux... Mets-toi en beau graphisme à ce moment-là. Ils ne veulent pas de nous sur cet anneau. Ah, c'est moche. Oh putain, c'est moche. Et là, c'est tout beau. Il a dit, mets-toi en beau graphisme et... À tout l'équipage et au... C'est pour voir un peu. Il a dit, c'est moche, quoi. Non, mais... Mais je suis trop nul. Oh, c'est trop grave. Il faut emprunter les issues de maintenance du vaisseau. Les issues de maintenance. Suivez le point de navigation. Le point de navigation. Comment ça, Et où les points de navigation? Là, point de navigation. Là, point de navigation. Dire bonjour d'abord, non? Où vais-je? Quel est le sens de ma vie? Mais, pas par là. Attends. L'autre sens de ma vie, à part là. Je suis vraiment en train d'appuyer sur toutes les touches du jeu. Alors, ok, je continue, j'ouvre la voie. Oh, tu t'as TP devant moi. Mais pousse-toi! Bouge! Écoute-moi bien. Avance tout droit là, avance. Avance! Écoute-moi bien. Ta gueule, avance. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Non, je t'écoute tu pas! Tu me retapes une fois. Tu me retapes une fois. Bah d'accord, bah crève, il y a des ennemis derrière toi si tu veux. C'est un cadeau. Non. Voilà. Tu me retapes une. C'est bon pour toi? J'adore. J'ai la caméra, elle s'est fixée sur ton cul. J'ai la caméra fixée sur ton cul. Elle a bloqué sur ton cul. Eh, tu sais quoi? Je voulais pas ressortir cet être toxique de ma personne. Putain, maintenant j'ai un zoom sur ta queue. Putain. Voilà. Voilà. Oui. Les origines. Voilà. Putain. Ah merde, tu... Casse-toi. Mais tu as fait chier. Bro, oh mon gars. Eh, je t'ai prévenu. Dis pas que je t'ai pas prévenu, hein.
Bah alors on est rochon. On n'aime pas l'humour. Ah si, j'aime bien l'humour, c'est pour ça que je rigole. Aïe aïe aïe. Putain, mais ce bruit de one shot quand tu tues les gosses, toi tu les abats en mode gamin, mais horrible. Mais c'est pas des gosses hein. Bah si, quand tu fais one shot, ça fait des bruits de confettis, feu d'artifice, c'est des gamins qui font yeah. Il faut emprunter les issues de maintenance du vaisseau. Oui. Suivez le point de navigation, attends. Il vous guidera vers une sortie. Oui. Mais mange ta mère! Tiens! Non, ah non! Tu pourras pas m'avoir! M'en fous! Passe ce jeu-là! Passe ce jeu-là! T'as essayé de faire quoi là? Ah, voilà! Non, mais c'est bon, un moment. Oh, tu m'as cassé les couilles. Mais vraiment? T'arrêtes pas de me taper! Vraiment. Tu le fasses 3-4 fois, je veux bien, non. C'est marrant, mais à force, c'est narral le cul quoi. Ah putain! T'es prévenu! Il faut entrer dans la maintenance du vaisseau. Suivez le point de navigation, il vous guidera vers le. Alors là, tu es en train de vivre l'expérience originelle d'une campagne coop. Ah non. C'est vraiment. C'est vraiment aussi ça. Ah, de me chercher, putain! Mais arrête, putain! Ah, mais avance! Oui, bah une seconde. Non, mais tu veux qu'on arrête et tu veux faire ça? Je me suis raté, je visais au-dessus de ton épaule, ça a pété sur toi! Ouais, ouais, d'accord. T'es serré! Ah, je savais pas que les grenades allaient se fixer sur nous! Bah, les grenades placent pas! Eh ben merde, je découvre. Je vais me battre physiquement. Là. Je découvre. Les Covenants voulaient vous prendre par surprise, on dirait. Non, ils veulent nous prendre par surprise. Oh là, bizarre l'ambiance. Okay. Ah putain, le changement à chaque fois. C'était mieux que ça quand même. Eh toi là-bas, tiens, prends ça. Nova, tu peux ban Jordan, mon frère. C'est le bordel, c'est le bordel. Ban-moi ça, là. Je vais lui retirer ses droits de modérateur, lui. Avance! C'est bon. Mais qu'est-ce qu'il raconte le Jordan? C'est pas du tout. Pas du tout, et tu sais ce qui me fait le plus peur, c'est que c'est un de mes modérateurs. Bah oui, j'ai vu ça. Oula! Alors, cadeau! Mais non, mais pas bien! Bah ouais, tu l'as vu la grenade? J'ai fait cadeau, j'ai lancé un saut en épaule, t'as vu la grenade, t'as eu le temps de reculer, voilà. Mais oui, mais si toi tu recules pas, comment moi je recule? Grenade! Waouh! Grenade! Faut faire attention, hein. Tu vas aller où, toi? J'avoue que moi ça me fait rire, mais je pense aux gens en stream qui ne connaissent pas. Du coup, qui entendent. Ouais, oui! À chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Oui. Oula, ça pète bien par là. Il reste une nacelle de survie. Vite, montez à bord avant son départ. La superstructure a subi de gros dégâts. Ce serait vraiment une bonne idée de filer. Quoi, il y a trop de trucs qui partent en même temps là. Tiendra. Calmez-vous. Ouais, là, j'ai allez-y. Pas compris. À vos ordres. Sans déconner, c'est la première fois que je vois un gameplay à l'eau et je comprends R. Bah, il y a des méchants et on tire dessus. Et voilà, c'est. On va réussir, pas vrai, chef? Je veux pas mourir ici. Bah oui, on va pas mourir ici. Regardez. Bon, du coup, je résume un peu ce qui vient de se passer. Oui. Notre vaisseau s'est fait aborder. Par les Covenants. Et on doit s'échapper. Et on s'est échappé dans une navette. Voilà. Mais on y atterrit. Donc là, ça fait 45 minutes qu'on est en live. J'ai résumé en deux phrases. L'automne accélère. Bienvenue en 2001. De mon côté, ça fait 56 minutes que j'ai l'enregistrement, moi. Monsieur. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. On doit avoir 40 minutes de jeu. Quoi. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir? Ça va aller.
Ah puis pour l'époque ça devait être ouf ça je pense quand même. S'il me restait des doigts je les croiserais. Là je vois de ton côté la cinématique elle est quand même folle. Hein. C'est beau, mine de rien. C'est pas la même cinématique que toi. Bah non, moi j'ai la cinématique version belle, toi t'as la version cinématique moche. Non c'est vrai. Enfin tu as la version vintage et la version remasterisée. On arrive trop vite. Oh non, problème d'aérophane. C'est tellement ancré dans ma mémoire que pour moi c'est la même chose. Je suis en contrôle, cramponnez-vous. On va se péter la gueule. Oh non. Oh non. C'est craché. Oignon. 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 Oignon, oignon, oignon. Vous m'entendez? Oui. Ah, enfin, ça va. Chef. Vous pouvez bouger? Et vous êtes mort, vous? Et toi, tu peux bouger? Ouyon. Eh, sors, là. Sors ta mère. Sors, là. Oula, oula, eh, oula. Sors, oula. Sors, oula. Sors, sors, je te dis. Le choc. Le choc. Sinon quoi, sinon quoi? Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon t'aurais un sandwich à la fraise. Ok. Attention, il y a des ennemis. Attention, plusieurs vaisseaux des Covenants s'en approchent. C'était où? Voilà. Je vous conseille de rejoindre ces collines. Avec un peu de chance, les Covenants croiront que l'équipage de cette vaisselle est très dur de me retenir. Et là, il y a un pont. Viens, on passe par le pont. Pont. Sauve les Banshees. Banshees. Pont. Alerte. Il y a un vaisseau des Covenants s'en approche. Ah mon dieu. Ils doivent rechercher les survivants. Ah, je viens de switch. Je vous conseille de Ah, la mer est dégueu. Ah, merci. C'est pas gentil pour la mer. Sale mer. Ah oui, ça change. Oui, ça change. Ça change un peu. Ça change un peu. Ok, vaisseau ennemi là-haut. Oh, je t'ai mort. Merde, ma grenade. Mais qu'est-ce que... Putain, il est capable de mourir alors qu'il n'y a pas d'ennemis. Ah oui, complètement. Je peux me buter tout seul. C'est ça qui est marrant. Bien. Bah alors. Oui. Bah bravo, je peux pas revenir. Voilà. Voilà, tu m'as gâché mon jeu. Cassez-vous. Ouais. Tu m'as gâché mon jeu, voilà. C'est bon. Bombardement. Bombardement. Ennemi en vue, chef. Mais oh, le Banshee. Il est loin. Stop. Un pété. Il y a des ennemis, il y a des méchants, faut les pompons. Ya. Yeah. Ouais, bah forcément, il arrive, il les achève. Bah oui, j'aurais tant mis dans la gueule. Quenard. Arrête, je te tue. Arrête ou je te tue. Vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Vas-y, viens. Vas-y là. Tiens, tiens là. Vengeance. Okay. Vengeance de quoi? Pour le nombre de fois que tu m'as buté. Mais ah non, moi je t'ai. Moi je... le nombre de fois que je t'ai buté, c'était une vengeance de quand tu m'as buté. Mais je suis pas fait exprès, tu m'as buffé, tu m'as buté trop de fois. Non, non, je t'ai dit tape-moi encore une fois, tu vas voir. S'il y a des survivants. Voilà. Et du coup je peux pas jouer. Merci, tu gâches mon jeu. Oh, bah oui, je cache bah, oui. Bah oui, sinon oh, je peux pas jouer si, si tu vas trop dans la zone ennemie. S'il y a trop d'ennemis, je peux pas réapparaître, oh, c'est oui. pour ça. Oh oui. Mais non, mais le truc des gosses, c'est quand tu mets un... Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand tu mets un headshot au... c'est un petit easter egg, quoi, c'est un truc en plus. Ah, mais y'a des gars à nous! Je te laisserai participer! Ah ouais! Waouh! Il est plus grand que je pensais! Ouais! Ah, content de vous voir, chef! J'ai cru qu'on était les seuls à avoir réussi à quitter le Pillar Button! C'est le chantier, chef! Et on oui! On est dispersé dans toute cette vallée! On a appelé un vaisseau d'évacuation, mais avant d'être arrivé, j'ai cru qu'on était. Tu seras exécuté! Ne vous inquiétez pas, sergent, on va attendre l'arrivée du. Excuse-moi, pour tout l'amour que j'ai pour ta personne, hein! Mais Johnson, t'es moche! Là, c'est mieux! Waouh! J'ai buté un mec là-haut. C'est vraiment un de mes personnages préférés, hein, mais waouh! J'ai exécuté un homme. Par le congrès de l'Homme Galactique, vous êtes jugé pour hérésie.
Comment ça j'ai des vagues de Warhammer 40 000? Tu crois pas si bien. J'exécute des mecs au hasard. Ah, hérétique. Heresy. Die, Xenos, come. Ah, Arzian, Arknine, truc qui vole, qui vous tire dessus. Attention. Qui vole, qui nous tire dessus. Bombardier là-haut, là, le machin là. Ah, c'est un transport de troupes, ça. La merde. Eh, un transport de troupes. Tiens, cadeau, grenade. Tiens, j'en ai encore d'autres. Bim. Bim. Non mais ça sert à rien, ça sert. Tiens rien. Si. Et des jeux, on peut les casser. Oui. Ah oui, à ce coup, les ennemis, je les vois mieux. Vu que je suis en... Alors. Où c'est qu'il y en a? Par où? Ah oh, quand même, là, ça y est. Bah, faut aller où maintenant? Mec. Encore? Eh, vous là-haut là? Bombardier! Non, mais ça suffit! Pour grimper, en avant! Ils sont décédés les. Oh, y'a un autre vaisseau ennemi derrière nous! Ah, voilà! C'est ce que me semblait. Ah mon dieu, ils nous prennent! Pas, hein. Ils nous prennent par le flanc! Bah, je monte dans la structure moi, au cas où si on est là-dedans. Oh, ça me donne faim. On parle de flanc. Flanc. Die, enculé! Die, you bastard. Oh, hi, Mark. Yeah. Alors, l'homme bruitage. Voilà. Comme quoi j'étais gosse. Ça peut être pire après. Parce que Henry a leak la tête du Master Chief. Bah oui, mais oui. Mais en même temps, fallait bien que ça sorte un jour. On est en 2024, ça date de 2001 à un moment. Voilà, fallait que je vous montre ça. Des prescriptions quoi, 23 ans. Je pouvais pas continuer à garder le souvenir. C'était trop lourd. Reste par terre, toi. Reste par terre. Reste par terre. Reste par terre. Reste par terre. Sachez qu'il est en train de se bagarrer. Passe par terre! Encore notre renfort là-bas. Salaud! Bouffe ça! Voilà. Spoiler, ça a servi à rien. Bah si, j'en ai buté. Pélican. Ah non. Le Pélican. Tout le personnel du CSNU, répondez. Bien sûr, Echo 419, oh, ici équipe Charlie. On vous reçoit. C'est vous, Fohammer? Fohammer, équipe Charlie. Hammer faux. Fohammer, on a besoin de vous pour rejoindre la navette de commandement. Vous êtes une fausse... Quoi? Vous êtes une fausse masse? Arrive. Un faux marteau? Regardez, Fohammer. D'autres nacelles de survie. Ils arrivent vite. Alors en fait, oh là là. Ça veut dire menace. Si ces nacelles atterrissent, les Covenants vont leur tomber dessus. Oh non. Fohammer, on a besoin de votre Warthog. Oh la putain, oui. Nous allons essayer de porter secours à quelques soldats. Alors, on va se bagarrer. Cortana. Tu vas être à la tourelle ou tu vas être au pilotage? Je veux bien conduire. Ok, équipe Charlie. On va conduire. Warthog déployé. Sache que c'est une énorme concession que je fais parce que je suis un pilote, moi. Ah d'accord, ok. Lui aussi il a la même, fonctionnement de gravité que nous quoi, c'est... Il fallait par où? À gauche? Il fallait par où? Attends. Alors il a dit à gauche, il a tourné à droite, je vais me battre. Bah, en fait j'appuie sur la touche de droite, il me fait tourner à gauche. Et avance putain. Ok. Alors, c'est un truc à prendre en compte. Je te déplace avec... Faut j'aille par là? Je te déplace avec ta souris. Oui, tout à fait. Ah avec la souris, oh. Ah effectivement ouais. Alors. M'a dit par là, je vais par là. Non mais par là, mais en bas. Ah, ah, oh. Ouais mais je découvre là du coup. Ah bah oui, là tu découvres vraiment. Après en même temps, on a dit par là. Là n'est pas une indication géographique. Tout à fait, comme j'arrête pas de dire à ma femme. Quand elle me dit bah là, c'est quoi là? N'est-ce pas Nova? Cette grotte n'est pas une création naturelle.
Non. Sors la vie de ta mère. Jure. Ah. Jure ça là, c'est pas une création naturelle. Incroyable. Ils sont en train de diffuser des données tactiques sur les canaux codés. Oh. Ils vont salaud. Voir ce qu'ils ont à faire. Ouais, sauter, on va les enculer. Utilisez le système Transcom de votre combinaison pour les pour sauter, appuie sur saut. Oui. C'est dans Rayman 3, ça. Ah avec Murphy. Ah ouh, ah hi. Ah. Oh, mais qu'est-ce, quoi qu'est-ce, qu'est-ce que t'as fait? Tu as mis un pas dans la gueule? Ok, on, à la fois les où là? Je vais retourner. Là, 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 vas-y. Là, ici? Non, c'était bien. Mais non! Je sais pas, tu m'as dit là, c'est pas une indication! Dis-moi oui, à droite, couilleur! Mais t'allais tout droit! Je te dis oui, c'est là, et tu tournes à gauche! Non, je t'ai dit par ici, et tu m'as dit oui, là, 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 je vais tout droit, connard! Vas-y. Trouduc, va! Vas-y, joue! Mais il est en train de ressortir, ce bah oui, je vois ça, c'est ce que je suis en train de voir. Salut les gros chauves, comment tu vas? Je vais aller doucement. Non mais non mais... T'es sûr que tu veux piloter? Oui. D'accord. Non mais je vérifie au cas où. Eh hey, mais eh hey, oh putain. Eh hey, c'est chiant le contrôle avec la souris. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Wow. Where are we? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Die, you fucking cunt! Mais... Putain! Je t'ai abandonné lâchement. Je suis en train de me dire, faut que je me disais, faut aller tout droit, et en fait, bah non. Et non. Oh mais par pitié, laisse-moi tirer. Bah vas-y, tire. Je... Non mais... Tire, y'en a devant toi, là. Y'en a devant nous. Voilà. Merde, putain. Ah, c'est chiant, bon, je contrôle pas la souris, moi, de base. C'est quoi ce contrôle à la con? Je tiens à m'excuser solennellement devant Wolfray. Toi, tu vas mourir. Mais pas là. Mais Je vous roule dessus, moi. Je vous roule dessus. Je vous roule dessus. Yeah. Oui. Dérapage, mec. Roule dessus. Trouvez dessus toi. Mais trouvez dessus, je t'ai dit. Mais trouvez dessus, j'ai dit. Viens ici. Viens là. Viens là. Blême, je vais rouler dessus. Ouais. Ah merde. Voilà. C'est le Warthog est indestructible. Oui. Ok, bah vas-y, hop là. Ah, je suis là. Oh. Et qu'est-ce que... Pourquoi on va là? C'est là qu'on va. Grenade. Ah non, pas de grenade, bon. Du coup, je reprends. Oui. De quoi reprends quoi? Il y a quand même expliqué des trucs de son côté, là. Wow. Ok. Un pont énergétique. Bouillard. Non, c'est un pont de lumière. C'est l'énergie, connard, la lumière. C'est de la lumière solide. Quoi? C'est un pot de lumière solide. Oui, bah on appelle ça, oui, c'est l'énergie. Bon, c'est un truc énergétique, ta gueule. Ça, c'est la même merde. Bah non. Ah si, c'est la même merde. Wow. Oh, lumière, c'est... Ah, c'est sombre de ton côté. Moi, c'est tellement éclairé dans ma vision. Dans ma vision. Ah ouais, j'avoue. T'as vu le contraste? Non, mais je veux pas conduire, je veux tirer cette fois-ci. Ah, tu veux tirer? Ouais, comme ça on tourne un peu. Ah, ah putain, non, mais... Si tu veux. Ah. Voilà. Ah. Et je n'ai aucun regret.
Ah, attends, je fais une musique. And then the one bites the dust. Non. Attends. Il y a du nouveau sur le réseau des Covenants. Désolé, c'est grave. Les survivants du Pilar Rocotum sont plus nombreux que je ne le pensais. Ouais, alors moi j'ai fait ta. Ah oui, aussi. C'est pareil. Putain, ça a grave trouvé dans mon chat. Deux. Ah bah ouais, bah toi t'es voilà. Ah bah t'es mieux. Voilà. Ouais bah excuse-moi. Ouais, c'était. Attends, mon j'essaie d'en faire un autre. Est-ce qu'ils vont trouver? Eh les chats, dites-nous que vous trouvez ça! Ah non, oh non. Pas du tout. C'est un truc d'une licence over surcoté qui est pourtant très sympa mais qui est putain de surcoté pour ce qu'elle est. Si. Alors, t'as mis à terre, ça fait plutôt. Ah là, y'en a par là. Y'a entendu des mecs. Je fais que me balader, je sais exactement où faut aller, mais Oh, t'es chiant. Là, j'en profite. Hein. Ah, les graphismes. Je fais des drifts. Ah. Comment on n'a pas la musique? Comment ça, là, comment on n'a pas la musique? C'est pas la musique, c'est le... Tiens. Oh. Moi je préfère l'histoire, se plaît pas jusqu'au face de la merde à chaque fois. Ouais, de ouf. Viens, meurs. De ouf. T'es... Qu'est-ce qui t'est la chat. Mais c'est de la... Mais non. Eh, des humains à crever. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? J'essaye de monter à la verticale. Ouais. Non, j'avoue que toi, tu critiques mon pilotage. Pardon. Ouais, alors moi, en attendant, je me démerde bien pour une première. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était vraiment la souris qui était importante. Non, jusqu'à ce que je te le dise, ouais. Bah, oh, oui, bah, heureusement tu me l'as dit. D'ailleurs, je suis descendu. Oui, j'ai vu. Je sais pas pourquoi, mais oui, j'ai vu. Ok, des ennemis. T'es chata à chaque fois les gamins. Yeah. Oh merde, je suis décédé. Ché. Je suis mort de décès. Ché. Je sais pas pourquoi je suis mort. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Pas suffisamment protégé. Attends. Voilà. Ah ouais, d'accord. Faut aller là-haut, je crois. Je crois qu'il y a des ennemis. C'est en haut ou en bas, je sais plus. C'est en bas. Ouais. Stop. Il faut rester avec les Marines jusqu'à l'arrivée du vaisseau d'évacuation. Yam dam. Eh ben c'est bon. Assurons-nous qu'aucun Covenant ne se cache dans le coin. Écho 419 à Cortana. J'y vais. Bien reçu, Écho 419.
Il y a des survivants à évacuer immédiatement. Bien reçu, Cortana. J'arrive. J'ai repéré d'autres nacelles dans votre secteur. Une près d'un écoulement rocheux et l'autre au bord de la falaise. Je ne vois pas grand chose à cette altitude, mais je crois qu'il y a des survivants. Bien reçu, on y va. Il a réussi à critiquer mon pilotage. Ouais. Moi, je m'amuse à grimper des rochers. Pas pareil. Un gros chais. Il est déjà mort, lui. Ouais, mais... Ouais. Ouais. Yahoo! Et dérapage. Mauvais sens, ce dérapage. Bon, on fait quoi, maintenant? Qui peut se barrer, c'est bon? Oui, tu peux partir. Bien. Je vais être malade, je crois. De ton pilotage. Tu vois les petites lumières là? Ouais. Et bah faut que t'en trouves d'autres. Ok. Ah merde, ça se grimpe pas ça. Dommage. C'est pas le cheval dans Skyrim! T'as bien essayé de grimper à côté tout à l'heure, ta gueule! Non mais. Non, t'as essayé de grimper à côté tout à l'heure, ta gueule! Mais j'ai pas essayé de grimper! Si, j'ai fait qu'est-ce que tu fous? Bah j'essaie de monter la colline. Non, j'ai dit je monte à la verticale. Bah ouais, même chose. Moi j'ai fait une fois, toi ça fait une demi-heure que tu le fais. Voilà, des lumières. L'os lumière os. Survivant repéré. Putain, les ce moteur de tondeuse. Oui. J'avais oublié. Quoique c'est pas pire que Halo 4. Où vais-je? Vas-y, moi je descends. Quel est le sens de ma vie? Ah, un passage. Carrière pâté. Youhou. Hop là. Mais putain, ils ont que des armes nulles. Wow! Qui est avec moi? Qui est-ce? Qui est-ce? Je savais qu'il y en avait un à bord. Tu le vois? J'ai pas envie de mourir! Qui est là? J'ai pas envie de mourir, moi! Qui est ton maître? Chef, un vaisseau des Covenants! Ah, chef, t'es mort! T'arrives au mauvais moment! Mais c'est trop! T'es arrivé au mauvais moment en fait. Oui, bah j'avais remarqué, hein. Oui. Ah, mais c'est comme d'entre opéré. Tu préfères arrêter de jouer à Halo pour le reste de ta vie ou de voir les ciels volants à Gaël à chaque fois que tu rentres dans une voiture? C'est compliqué. J'espère que tu conduis mieux dans la vraie vie. Ah, moi? Tu conduis mieux dans la vraie vie. Oui, bien sûr. Ok, bon, ça va alors. Ah, ok. Comment ça, mon ref? Ok. Putain, c'est tellement différent la map de ton point de vue. Oh, c'est un autre monde. Littéralement. Ah, c'est pas si différent que ça. Ah, si. C'est juste que là, tu te voiles la face, c'est tout. Reste là! Oh, y'a encore des ennemis ou? Oui, ils sont avec moi. Tu l'es? Putain, il veut pas me donner son snipe. Merci, non. Ah! Putain, d'artilleur à la con dans son vaisseau de merde! C'est ça cohérent. Grenade! Ah non, j'en ai pas. Allez.
patater. Je voulais juste le patater en fait. Putain. J'aime trop me battre au corps à corps, c'est une manière. Moi ce que j'aime c'est le marteau énergétique. Ah ouais mais ça tu l'auras pas avant Halo 3. Ouais. Oui c'est le 3. Halo 2. Halo 2. Je crois qu'il y en a dans Halo 2. Ouais, tu tires sur qui? Bah Blart, partout il y avait des ennemis. Ah oui. Tu veux que je chasse sur quoi? Hein. Mais arrête! Pas moi. Il y avait que toi et moi. Hein. Non, c'était un Covenant. Il s'est emparé de mon âme. C'était un Goa'uld, monsieur. Je suis pour rien. Mais d'accord. Je crois que t'as essayé de grimper, t'es fait rouler dessus. Oh merde. Moi bien. Moi bien. Moi bien. Oh, avant, je suis sur celui qui est là-bas, vas-y. Mais arrête! Je peux plus tirer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as foutu? Mais c'est toi, tu te rapproches trop! Mais qui je me rapproche trop? J'ai rien fait! Je te vois en train de tirer comme un connard sur le vaisseau, pourquoi faire? Et les ennemis sont autour! On s'en fout des ennemis, tu leur roules dessus! Bah, alors oui, on fallait pas s'entendre à esquiver, donc c'est un peu chiant. Bah, roule mieux! Voilà. Echo 419 à Cortana, ici Farmer. Vas-y, on repart. Bon, je suis Farmer. Nous sommes prêts à évacuer. Venez dès que possible. On va rechercher la dernière nacelle, Echo 419. Okay. Bonne chance. Où vais-je? Ok. Ah là, je là, pense. Là, faut ressortir. Ok, en avant. Mimi. Ok. Attention, okay. J'ai intercepté des messages des Covenants. Ils ont repéré le Pillar of Autumn et pris le contrôle. À droite et à gauche. Hein. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine est vivant. Celui-là, on l'a déjà fait. C'est que les Covenants. Mais à gauche aussi, il y a des ennemis là. De l'équipe de commandement. Ah, bah c'est peut-être là. Dépêchons-nous. Là. Il faut retrouver la dernière nacelle pour rassembler tous les survivants. Nacelle de survie repérée. Pas de trace de survie. Ouais! Tu sais que tu m'angoisses un peu. Hein. Putain, ils ont peut-être trouvé refuge dans cette structure. Allons voir. En fait, tu peux arriver de ce côté-là ou de l'autre côté. Bah, j'arrive par là. Je vais y arriver. C'est plus que ce que je vais y arriver. Oui. Adieu, monde cruel. Tu peux te replier et me laisser apparaître, s'il te plaît. C'est quoi? C'est pour ça que je suis descendu du vide. Putain, les sons. Il est où? Peut toujours pas réapparaître. Ils sont là-haut. Par contre, c'est un peu chiant quand même ce truc-là de être obligé dans un coin où t'as pas d'ennemis pour réapparaître quoi. Oh non, même... c'est normal. C'est quand même relou hein. Sinon c'est trop simple. Viens là. Viens là toi. Oh putain. Tiens. Moi je casse la gueule à tout le monde, directement. J'ai demandé un vaisseau d'évacuation. Bien reçu.
Oui. Ah. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Ouais, c'est trop bon. Merde. Ah, je t'ai vu tomber là, mais j'ai vu. Il quoi? Il y avait un personnage qui était tombé aussi? C'est ça? Explique-toi! C'est le gars, il était en train de parler! Et il est tombé! Qu'il est tombé. Et du coup, je voulais le regarder, je suis tombé aussi! Ah, attention! Il faut sécuriser la zone avant l'arrivée du vaisseau. Ouais, ça va, on a compris là! C'est bon, elle est sécurisée la zone là! J'arrive. Il y a du nouveau sur le réseau Covenant. J'ai trouvé le capitaine Keyes. Il est détenu à bord du Truth and Reconciliation, un croiseur Covenant que j'ai mis hors service avant de quitter le Pillar of Atom. Pillar of Atom. Le Truth and Reconciliation a atterri sur un plateau désertique à environ 300 km. 5 km. On peut pas le pousser. J'ai testé. On peut pas le pousser. Visite. Voilà notre vaisseau. Ta gueule. Montons à bord et allons. Vas-y, balade-toi. J'ai tué un de nos hommes. Mais pourquoi faire? Parce qu'il était devant moi. Mais arrête. Bah quoi? Tu es faible, homme. Tu seras exécuté. Bon, tu me dis quand tu veux qu'on se casse. Il faut que je trouve la sortie déjà. Allez, je trouve la sortie. Ouais. J'ai que le son, c'est angoissant. Ouais. Tiens, bouffe ça. C'est mort. Ouais. T'es mort. T'es mort. Oh là là. Oh là là, comment t'es mort? Je comprends mieux comment ça pouvait être quand on était gosse, cette connerie. Oh là là. Oh, t'es grave mort. Je crois qu'il faut muter Bob. Il faut muter Bob. Oui. Il a été capturé par l'ennemi. Il est non, le capitaine Keyes. Le Truth and Reconciliation. C'est mon Reconciliation. Musique, c'est beau de votre vaisseau, de votre fusil de sniper. Et comment on va faire pour sniper. Y entrer s'il est en l'air? Il y a un fusil, mais j'ai pas d'ailes. Il y a un ascenseur gravitationnel qui transfère les troupes et les provisions du vaisseau à la surface. Ah, quelle aubaine! C'est vous de votre fusil de sniper? Tu veux le fusil de sniper? Je devrais pouvoir suivre le signal des fusil de sniper. Le fusil de sniper. Fusil de sniper. Fusil de sniper. C'est parti! Qu'est-ce comme ça? Qu'est-ce comme ça? Rendez-vous sur la hauteur sur votre droite. Ça devrait vous permettre de le garder. Gardez Warg dans ce puits à Warg. Mauvais jeu. Attention, j'ai repéré des canons au prochain col. Je vous conseille d'utiliser votre fusil de sniper pour abattre les tireurs. Sniper. On va tenter de neutraliser un maximum de Covenants sans éveiller leur attention. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'une fois que l'ennemi nous tirera dessus. Tuer des trucs. Ça devrait nous permettre de conserver l'effet de surprise. Ah ouais, j'en ai battu un. Ah, il y en a un gros là-bas. Mais... Quoi? Bah ouais, mais le but c'était d'être discret en fait. J'en ai juste abattu un et t'as tiré puis tout est parti en couille. Allez, voilà. Un Covenant se dirige vers ce canon fixe. Descendez-le. Enfin, un oscope, c'est ça. Bim. Ah, tu peux, oui. 360 noscopes, j'ai raté. Tiens, bouffe. Oh. Ah oui, d'accord, t'as même le son qui a changé en fait. Ah ouais, même le son des flingues qui ont changé, ok. Ah bah oui. Bah j'ai plus mon snipe moi du coup.
Il est là. J'ai activé un... une lumière, je savais pas que je pouvais faire ça. T'as utilisé quelle touche? Il est là! Ah oui. Mais non, mais! Bien sûr. Ah d'accord, ça va être chiant. Alors faut que je change d'arme avec une arme de merde. Voilà. Ah merci. J'ai utilisé quelle touche pour la lampe? Touche 4 moi. Je l'ai gardé. Ah ouais. Ah, il y a un succès où genre il faut tout faire sans se faire cramer. Ouais, ah merde, tu meurs. Bon voyage. Ah bah moi aussi. Ah. Moi aussi. Non, je suis tombé dans le vide. Le moi. Grand voyage. Bon voyage. Encore d'autres. Putain, encore mais rends devant mon sniper, toi. Putain de jeu. Il est où? Merci. Bah, au même endroit, hein. Qui est là? Ma bite. Viens là! Oula! Putain, mais tape-le! Je peux lui lancer des grenades! Viens! Viens là! Tiens! C'est pas vrai qu'il l'ait eu, mais... Ah bah je suis mouru. Voilà. Ça c'est beau. Oui. Mon sniper. Non, oui mon sniper. Je m'en tiens. On dirait un petit film de cul. Oh. Ah. C'était bien. Oh. Putain, en fait, il y a des armes pour les repérer maintenant dans le sol. Oh, faut, ouais. faut que je clique d'abord sur table pour avoir la vue des gueux, comme ça je peux les voir. Parce que quand je suis en vie normale, je vois rien à cause des hautes herbes. Du coup, je peux passer à côté sans même en rendre compte. C'est l'enfer. Ok, Sacha Dubourg-Palette. Putain. Force des Covenants repérée un peu plus haut. Le passage oui. de Gaulle devrait nous permettre de les contourner. Tiens. Boum. Ah, oh, j'ai envie de te tuer là. Je le ferai pas. En position, chef. Ouais. Je fais pas. Et ta sœur. J'ai quand même vachement envie de te tuer quand même. Oui, et ta sœur. Cortana à équipe Charlie. Avancez de par quoi la gauche, comment ça? Et tâchez de prendre l'ennemi de flanc. Bien sûr. Oh ouais, là, ça c'était beau, ça, sans même viser là. Viens, reste par terre. Viens. Ouais. Merdoum. Mais faut moi. Vous voyez pas, j'essaye de viser. Je vais t'écraser. Ouais. Je t'écrase moi. Ils sont en train de me tuer, Irel. En approche. Oh, je suis invisible. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Bah, je sais pas, un module d'invisibilité peut-être. Bah, je sais pas, je découvre. Je suis tombé dessus par hasard. Où vais-je? Quel sens de la vie? Je suis écrit de zinzin. Non, je suis mort. C'est pas ma faute! Pas pour une fois. Bah si, c'est moi. T'as pas compris? Je fais exprès j'ai fait exprès de te tirer dessus. Oh, quel bâtard. Comme je suis invisible, tu me vois pas. Ah, regarde, tu vois? Tu me vois pas. Là, tu me vois maintenant. Vas-y, tue-moi en l'air. Yeah! Raté. Désolé, je vais juste repasser en comme ça pour trouver mon flingue, mon fusil de sniper. On est d'accord, si tu passes pas comme ça, tu lui retrouves pas tes fringues, tes armes. Non mais... Ouais, tes fringues. Ah, tes fringues. Tes belles fringues. Non, non, moi c'est juste... C'est juste la luminosité. Mais putain, merde. Alors tu te rends compte que t'as sauté genre... 5 secondes après que j'en sais rien, genre la grenade est passée sous ton pif, tu l'as pas vu. Oh sérieusement, je me suis raté ça. Oh, c'est de la merde. J'ai crié, j'aurais pas dû.
Excusez-moi. C'est par terre. Oh, oh, je me souviens de cet endroit. Ouais, ta gueule, toi. On va mourir. C'est fou comment, quand tu l'as fait en légendaire, quand tu fais en normal, c'est vraiment, t'as un pseudo de rouler sur le jeu. Parce que tu connais par cœur le jeu de son. Déjà. Je t'ai dit, quand tu l'as fait en légendaire. Pourquoi moi ? Oh merde. Alors c'est une grenade ? J'en ai balancé 4 je crois. Ah, mais y'en a une qui m'a pété la gueule. Non mais je crois que les 4 t'ont pété à la gueule. Mmh. Ah, c'est dingue par contre parce que t'as les graphismes qui changent, t'as aussi le son qui change. Ah oui bah oui, ils ont... Ils ont tout refait. Ils ont tout refait. Putain, ah, c'est fou. Que je retourne en arrière. Putain, non, il est où mon sniper? C'est bon. Ah, moi je suis mort là-bas en plus, mon snipe est quelque part au sol. Oh mon dieu, c'est moche. Oh. Mon arme est quelque part? Bah non, du coup, parce que mon cadavre a dû foutre le camp dans le vide. Oh oui. Putain, mais ils sont 1000. Attends, c'est bon. Là. Alors c'est une grenade. Bah c'est... Ouais bah oui. Je suis popé en arrière. Parce qu'on est mort. Ah t'es mort toi aussi. Je crois que t'es encore vivant moi. Très bien. Oh d'accord. C'est vrai que c'est fou parce que... Ok, je suis mouru. C'est là où je me rends compte qu'il y a des trucs qui... Recule. Moi, me semblent évidents. Et en fait, quand tu connais pas le jeu, bah non, quoi. C'est pas évident du tout. Mais putain. Ah, t'es mort. Bah c'est bien, j'attendais que non. Tu meurs ou que tu t'éloignes pour que je réapparaisse. Comme je disais, c'est fou, il y a des trucs qui moi me paraissent évidents parce que je connais bien le jeu et tout. Mais bah, ils sont pas forcément. Bah pour moi, là, pas du tout. Il y a ce machin là. Après... Il est là, là, il est pas là, il est là. Je tiens à dire bam. Que plus... Alerte. Plus on va avancer dans les jeux, plus ça va devenir... logique, tu vois. Enfin, oui, dans, oui. Je suis allé dans la tourelle. Ah, trop loin. Ah, là oui. Tu m'as donné envie de faire pareil, tiens vas-y on va faire du tir croisé. Là c'est vraiment genre je tartine l'écran. Faut pas pareil. Ah de me tirer dessus. C'est moi. Pas dessus, je tire sur les... Non, tu m'as tiré dessus à un moment donné. Si l'excuse, elle passe. Regarde, il y a un élite, là. Ah, oui, j'ai vu.
Là, il y a un élite là. Eh, hey, un élite là. Eh, il y a un élite là. C'est enculé. Oh, le son, putain. Ouais, c'était... Là, c'était rude. Alors, je te déconseille... Ouais, voilà. Shut the fuck up, you bitch! Shut the fuck up! You English bastard! Ils sont plus très gros. Dur, comme moment. Cortana et Conquête sont très dur comme. Nous sommes comme à l'ascenseur gravitationnel. Envoyez les renforts. On a galéré de ouf et tout. Bien reçu, Cortana. Attention, départ, les gars. Homer terminé. Une fois à l'intérieur du vaisseau, je me connecterai à l'interface neurale de commandement du capitaine. Il doit être à la prison du vaisseau ou dans les environs, ce qui devrait limiter nos recherches. Écho 419 en approche. J'ai pas de munitions. Dégagez la zone de largage. Oh, oh. Fais attention à ce que tu as. Je savais pas que ça pouvait se charger ce truc là. C'est marrant. Tiens, crève. Bim. Arrête de tuer alors, des... Alors, guardsman. Bienvenue dans la garde impériale, fils de pute. Très violent pour quelqu'un qui est un allié quand même. Non mais bienvenue dans Warhammer 40 000. On y est. C'est pas Warhammer. Je suis connecté au transpondeur CNI du capitaine. Ça, aucune défense des Covenants détectée. Oh, ça je connais. Quoi? Il n'y a pas de Covenants? Vous dites qu'il n'y a personne? Nope. J'ai pas de munitions non plus. Invisible! 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 Allez, viens là! Là, tu te casses la gueule. Je t'ai vu. Hein. Quoi? Je t'ai vu. Il fut quoi? Tirer sur les connards? Oui. Non, sur moi. Bah, là, oui, là, à l'instant. Là, oui, là, c'est moi. Là, c'est moi. Ça te va, là? Attention! Joli tir. Il est bien mort. J'avoue que le... J'avoue que le coup de sniper en... au corps à corps, là... C'est pas mal, hein. Ah, j'ai plus munitions nulle part. Ben, ramasse ça. Tu prends une arme. Tu ramasses une arme. Oh, ah, ils sont gros eux. Eh voilà, bouffer. Tiens, bouffe. Enculé. Alors, aïe. Mort, aïe. Aïe. C'est bon, je l'ai eu. Eh. C'est pas bien. Hein. Oh. Quoi? Par là, il faut aller. Il m'a pris mon sniper. Par là? Il m'a pris mon sniper. Non, c'est pas par là. On pourrait emprunter les passages latéraux pour la contourner. Ouais. Il m'a pris mon sniper. Il a pas marqué ton prénom. Regardez!
dans le crier. Je me souviens bien, je m'en souviendrai que là, on a habité des jeux. Allez. Quand tu auras des épées à énergie et des marteaux anti-graves, je vais les garder. Voilà. Quand il y aura les marteaux anti-graves là, t'inquiète pas, je vais bien le garder. Mais tu arrêtes ? Ok, pardon. Ben, c'est fou. J'ai joué à ce jeu vraiment des centaines de fois. Je me perds. Ah merde. Oh. Je suis tombé. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Je suis tombé. Tombé. Ah vache, ce mauve dégueu. Merde, c'est pas la bonne porte. Ah. Si. C'était bon. Ah, comment t'arrives à jouer dans ces graphismes, nom de Dieu. Moi, j'ai connu comme ça, hein. Ouais. Heureusement que ça a été remaster. Et encore, là, c'est pas aussi choquant. Le plus choquant, c'est quand tu fais le jeu. Parce que le jeu d'origine, il est moins moche. Mais il est magnifique. Il est vraiment magnifique. En remake. Go, 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 go. Je sais pas où t'es. Ah, t'es là où. Je sais pas comment. De quoi, t'as sauté dans le vide, genre? Bah, je suis descendu, il y avait plein d'ennemis en bas. Mais c'est bon. T'as sauté, genre. Parce qu'il y a un vrai chemin. Ah, du coup, j'ai sauté, puis j'ai tout défoncé en bas. Sauf peut-être qu'il y a plus récurrent revient entre temps, quoi. Ouais, parce que vraiment, normalement, t'es censé. Des... Bah, je suis pas allé par chemin que lambda. J'ai sauté, puis j'ai tiré. Voilà. Voilà. Tout le monde il est mort. Moi avec. Ah non, t'es pas mort là. Non mais là non, je vais réapparaître dans ton cul, connard. Ah d'accord, tu réapparais directement dans mon cul. Oui. Propre. Oui. Bah non, là il était dégueulasse ton cul, mais bon. Parce que tu le laves pas. Bizarre l'ambiance. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Mon chien enfoiré. Tout t'es pas mort toi. Tout t'es pas mort toi aussi là. Hey, reste par terre, on t'a dit. Oula. Pourquoi je. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. J'ai plus d'armes. Ah si, j'ai ça. C'est mieux que rien. Alors, sache que quand tu charges ton pistolet à plasma... Oui, je sais, ça fait une belle énergie, oui. Non, mais alors... Laisse-moi parler! Mais j'ai vu. Ça détruit les boucliers. Hein. Regarde, là, par exemple... Oui, mais j'ai vu. Genre là par exemple. Voilà.
Et les armes à plasma sont beaucoup plus efficaces sur les sur tout ce qui est plié aussi que les armes balistiques. Pas lui. Je vais mourir. C'est vraiment que j'allais mourir. Aïe. Une minute. Je vais me connecter au réseau de combat des Covenants et trouver un code pour déverrouiller une porte. Je fais de mon mieux. Ah merde, je suis bon. Je voudrais bien le voir venir à bout d'une clé de codage à modulation de 128 bits. Ouais, j'aimerais bien t'y voir. Oh bien hein. Ça fait beaucoup de bits ça. Ah. Mort. Ah. Bon, on recommence. Ah, mais toi aussi. Bah oui. T'es mort, tu meurs tout le temps. C'est juste normal. Allez. Mais oh. Mais j'étais loin pourtant. Bon, tant pis. Bah, t'es tout seul. Je suis mouru. T'es avec moi dans mon cœur. Je peux pas réapparaître. Regarde comment je suis pas tout seul. Tu vois comment je suis pas tout seul. Voilà. Voilà. Le chef est mort, sauvez-vous. Les connards là-haut. Pardon, il y a des méchants là. Mais d'où ils sortent? Mais ils étaient au-dessus. Attention, grenade. Une minute. Je vais me connecter au réseau de combat des Covenants et trouver un code pour déverrouiller une porte. Je fais de mon mieux. Je voudrais bien le voir venir à bout d'une clé de codage en modulation de 128 bits. Putain, il y en a des... Là, ils sont là-haut. Des ennemis, là. Ah, ils sont pas que là-haut. Il y en a là-haut. Oui, mais... Si je peux me permettre, faudrait qu'on se concentre peut-être sur ce qu'il y a en bas. Je suis mort. Je suis plus mort. Ah ! Aïe ! Tiens, bouffe ça, connard ! Ah ! Ah putain, il m'a eu. Survis-moi ! Eh oui, t'es moi qui t'ai eu, connard. Ah putain. Bon, bah en tout cas, là, c'est la deuxième partie de la vidéo YouTube, les gens. Voilà, abonnez-vous, tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Anuk TV aussi, c'est le lien sans description, je rappelle. La porte est ouverte. Tout ça. Tout le monde devrait pouvoir à gauche. Passer. Mais la porte risque de se reverrouiller après la fermeture. À gauche. Je sais même pas depuis combien de temps on joue là mais... Bah 1h44 de rediff de mon côté. Donc on se doit faire 1h20 qu'on joue. Tiens.
Ta gueule. Ah. Moi j'avoue j'ai pas encore décidé sur Oh non. J'ai pas encore décidé sur le nombre de VOD et tout ça. Ouais. Peut-être que je diviserai par niveau. Ouais. Peut-être. J'aime bien faire ça, je fais ça pour Céleste. Bah je fais ça pour des anciens jeux, donc pourquoi pas. Hein. Ah tiens là, tiens, boum ça. Que nerf. Voilà. C'était juste là quand même. Ça fait beaucoup là, non? Il y a quoi ici? Y'a rien. Alors, si tu peux. Alors, excuse-moi. C'est moi. Tu peux venir sur ma position? Il y a des ennemis. Ah non. Voilà. Faut que t'actives ça. Quoi ça? Faut que t'actives ça là! C'est quoi ça? Mais ça! Mais je fais ça quoi? Mais je fais comment pour l'activer ta merde? Non mais là vraiment là. Je sais pas, tu me dis rien! Tu me dis active ça, oui d'accord, et du coup. J'appuie, il se passe rien. Je vais regarder, écoute-moi. J'appuie, il se passe rien! Il se passe rien! Je vais regarder ma caméra jusqu'à ce que tu trouves tout seul. J'appuie sur la touche, connard, ça marche pas! Et appuie sur E, bah j'appuie sur E, il se passe rien. Je n'ai rien. Appuie sur E, je n'ai rien. Et j'appuie, j'ai rien, sans déconner. Ouais. Non, c'est vrai. Je. Bon, alors, ta gueule. Je m'avoue. Tant pis. Ou alors, ça s'est activé, on ne sait pas. Ça a pété. Okay. Ça va péter. Tu pris une gifle. Ah putain, mais sors d'où cette deuxième explosion à la con là. J'avoue que là. Oh! Vache. Tiens, reste par terre. J'ai attendu moi. Oula. J'ai attendu moi monsieur, j'en sais grenade en avant pour être tranquille. On sait jamais. Non mais t'as eu raison. Reflex call off mon gars. J'ai rien dit. Ah merde. Ah j'en ai chez. Ah non, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui. Oh le brut. Oh le brut. Mais où je suis, putain. Ah. Mais où suis-je? Mais où? Bah, ah oh, oh. Alors, c'est très cool parce que c'était vraiment endormi. Oui. Ah oh, putain, il m'a one shot. Je crois que c'est le pilote qui m'a one shot. Bah, jure, il a une épée. Oui, mais je savais pas que ça one shotait moi. Non,
Mais je savais pas. Tu m'as jamais rien dit là-dessus. Je sais juste que l'épée fait mal, mais je savais pas que je pouvais faire one shot par un Covenant. Attends, s'ils sont en train de pioncer. Je peux lancer une grenade là-haut. Viens, on lance des grenades. T'es où? Non, mais surtout. Surtout, pardon. T'as foiré, putain. Tiens, ferme ta gueule, bam! Explosif dans ta gueule, enfoiré! Oula! J'ai appuyé sur un truc. Oh, toi, t'es en train de regarder le truc du terminal. Ouais. Ok. Mais vous voici là où vous ne devriez pas vous trouver. Dites attends, je regarde. De cesser immédiatement. Il ne faut pas rompre la quarantaine. Répondez. Construction. Déjà, parce qu'on peut pas. Concept flou. Terme familier. Moi, je sers. Personne ne me sert, Oracle. Vos troupes doivent cesser tout assaut contre les dépositaires et quitter cette installation immédiatement. Construction. Vous êtes à deux doigts de libérer des forces qui vous dépassent totalement. Hey. What? Qu'est-ce que... What? C'est tout à fait déplacé. Nous suivons le chemin. Et je fais partie du rocher Voyage et Saint, leur but. Je... C'est ça que t'as aucune cinématique, c'est chelou. Ils finiront par trouver... Ah, mais ensuite, c'est normal, hein. Je serai enfin... Bon, je regarde Marodif, sinon de mon côté. Libre. Expliquez-moi. Non... Je connais leur chemin. Et quand ils seront partis... Ça, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas récupérer son épée à lui. Et alors... La liberté... J'essaie de comprendre là, c'est quoi, c'est l'intelligence artificielle de... Les Covenants et du Halo ? Bah le truc c'est qu'en fait les terminaux, comme c'est sorti avec le remaster et tout, ça peut te spoil. Hein. Auquel cas ce sera inutile. Au revoir, construction. La construction, ouais, c'est le Halo du coup. Ok. Ok. Bah, ok, j'ai vu une cinématique et j'ai pas tout compris. Bah, c'est normal. Ah, j'ai plus aucune munition. Je suis à zéro. Bon, ça va, zéro. Mais zéro partout. Je peux rien faire à pas faire du corps à corps. Bah, je trouve le chemin, là, récupère des armes. Qu'est-ce que je fais? Voilà. On doit être dans la prison. Ça ressemble à des cellules. Il doit y avoir plusieurs postes de détention. Le capitaine. Il y a une flèche verte hein, sur la hauche. Il faut continuer à chercher. Oui, je sais. Oh, il y a du monde là où je suis là. Ah, un gros avec une épée. Tu dois être dans la bonne cellule. Moi, une gros avec une épée. Ah! Mec, hey, t'es où? Là, je suis dans une prison. Je pensais pas que ça ferait un point de contrôle. Donne tes munitions, toi. Va. Ah, hey, les connaisseurs, là, y a pas un crâne dans le coin? Pas sûr, mais il me semble qu'il y a un crâne, pas là. Je sais pas. Exploration. Je fais mes tours là. Je dis rien. C'est fou la capacité qu'il a à se perdre dans des lignes droites. Ta gueule. Bon. Merci, maintenant par ton cri je retrouve où était le connard qui était avec son épée. Ok.
Puis tu t'es perdu bien plus souvent que moi. Moi je suis en explos total. Je me perds jamais. Mais qu'est-ce que... Mais arrête! Ça c'est pour m'avoir fait buter. Mais connard, on est morts tous les deux! Mais non, parce que j'étais en avant, t'as lancé une grenade et puis je suis mouru. Mais si on a respawn au point de contrôle, c'est qu'on est mort! Parce que t'es mort avant! Non, je suis mort en même temps, la même grenade. Putain. Grenade de merde. Jure. Putain, mais toujours pas du bon côté. Hein. Faut tourner à gauche et jamais à droite. À chaque fois, je me fais avoir. Putain, heureusement qu'il y a eu un remaster. Hein. Wouah, ça te change tout. Mais non, les graphismes ils sont jolis. Ah putain, oui, non. Ah, je crois que lui, mais enculé, c'est bon. Je crois que lui il a trouvé la bonne sortie. Le zigouille. Faire quoi là? Tu voulais rester invisible longtemps? T'es sur le toit là? Bah j'arrive au moment où... Ouais. Vous êtes fou d'être venu ici. Oui. Vous savez pourtant bien que... Merci. Messieurs, verrouillez et chargez vos armes. Parez à partir. Oui, sergent. Comment, sergent? Pendant que les Covenants nous retenaient là-haut... Oui, sergent. J'ai entendu les gardes parler de ce monde à nous. Ils l'appellent... Bah, sergent. Allô. Allô. Une minute, chef. Connexion au réseau de combat des Covenants. D'après les données de leur réseau, l'anneau a une profonde signification religieuse. Si mon analyse est correcte, ils considèrent Allô comme une sorte d'arme. Une arme d'une puissance inimaginable. Alors qu'en fait, non. Alors c'est bien vrai. Les Covenants n'arrêtaient pas de répéter que quiconque contrôle Allô contrôle le destin de l'univers. Tout s'explique. J'ai intercepté différents messages sur une équipe de Covenants à la recherche d'une salle de contrôle. Je croyais qu'ils cherchaient la passerelle d'un croiseur que j'ai endommagé pendant le combat au-dessus de l'anneau. Bah non, Cortana. Il s'agit de la salle de contrôle d'Allô. C'est une mauvaise nouvelle. Ah, il y a le thème qui se lance derrière en fond. Et que les Covenants part, ils l'utiliseront contre nous et anéantiront l'humanité. Chef, Cortana. J'ai une mission à vous confier. Oui. Trouver la salle de contrôle d'Allô avant les Covenants. Oui. Marines, en avant. Palapapé. Palapapé. Chef, prenez la tête. Palapapé. 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 L'écran m'éclaire, car. Retournons à la plateforme à navettes pour évacuer. Voilà, retournez à la plateforme des navettes pour évacuer. Attention! Pardon, hein, mais c'était... Ah, coule ta vie. Ah, fait demi-tour. Non, non, c'est l'autre. J'avoue que vraiment, si on s'était perdu en ligne droite, là j'aurais commencé à m'inquiéter. Et puis toi, les cassures, elles sont vraiment nettes, tandis que moi, comme du coup, j'ai plus beau côté, voilà. De quoi? Non, je dis au niveau du graphisme. Ouais.
toi tout est ultra net, clair, net et précis, tu peux tout voir facilement. Tandis que moi, bah il faut que... Ah oh putain, il y en a un gros là-bas. Oh, il y en a deux. Oh oui. C'est même pas moi qui l'ai eu. On a le capitaine, venez nous chercher immédiatement. Ouais, venez nous chercher. Négatif, non. Cortana, non, je suis attaqué par des patrouilles aériennes Covenants. Ouais, négatif, Cortana, je suis attaqué par des vaisseaux. Négatif. On dirait qu'elle est bourrée la machine. On dirait elle est bourrée de ouf. Négatif, genre. Je viens de regarder. Je suis en train de me faire attaquer de toutes parts. Cortana, si le chef et vous réussissez à nous trouver un vaisseau des Covenants, je nous sortirai d'ici. Ok. T'as une sale gueule, toi. Oui, capitaine. Il y a un vaisseau des Covenants à quai. Oui. Ok. Il est où? Grenade! Mais qu'est-ce que... Mais... D'accord. Die, you motherfucker! Oui! Grenade. Ils me suivent moi, ils me suivent pas toi. Bah alors il se passe quoi là? Ah ok. Voilà, le vaisseau est prêt. Il se passe la fin du niveau. Ouais. Donnez-moi une minute pour me connecter à l'interface du vaisseau. Oui. Ah, inutile. Je vais prendre les commandes. Et pour le camp, ta gueule, le chat! Déhunter! Des gros! Cramponnez-vous! C'est des Hunters. Hunter. Des gros! Bonjour, capitaine. L'heure de la revanche a sonné. Ok. Ouais, 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 bah, c'est ouais. Cool. Je passe un bon moment. Oh putain! Les Covenants estiment que ce qu'ils appellent le cartographe silencieux est sous-utilisé. Le cartographe est une salle de cartes qui nous mènera au centre de contrôle. Ah, on est chacun dans un vaisseau? Hein? L'île est dotée de multiples structures et installations. L'une d'elles abrite la salle des cartes. Nous approchons de la zone de dépose. Ça va être chaud. Préparez-vous à être secoué. Ça va péter! Ça va péter! Allez. Oh putain! J'ai un magnum! Ça va, c'est... Je peux pas mourir, j'ai un magnum. Merci, je suis mort. Je vois de rien, du coup. Par contre, quand tu mets en mode normal, le jeu était vachement sombre à l'époque. En fait. Regarde, la version est vachement claire. Bah, en termes de graphisme, c'est vachement sombre, les couleurs sont très sombres. Ah oui. Je te jure. Il y a moins de lumière. Regardez, c'est beau. Regardez, c'est magnifique de mon côté, c'est même mieux. Vous connaissez notre devise, toujours à votre service. Ouais. Bonjour, fou. Un Warthog. 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 Tugwar. C'est parti.
Oh okay, non, vraiment, allons-y. Tu vas dégager. Il faut trouver la salle des cartes pour connaître l'emplacement du centre de contrôle de Halo. Tu aller où? Non, mais tout droit, c'était bien. Ok. De toute façon, on va faire tout le tour. Waouh! Oh, le tronc d'arbre que tu t'es là, pris, hein, pardon. Dans la paroi de la falaise. Oui. Je parie que le cartographe silencieux se trouve là-dedans. Franchement, même pas presque. Il y a une forte résistance Covenant. Le cartographe doit être ici. Selon mes analyses, ému. La salle des cartes devrait être au sous-sol de cette installation. Entrons là-dedans. Je suis sûr que je peux continuer de rentrer. Il veut tout se faire au Warthog, il veut aller au Warthog. Je suis ému, c'est comme ça que je joue, moi. Je suis au bout des choses. Empêchez-les de verrouiller les portes. Là, on peut pas aller plus loin que là, malheureusement. Oui. Enculé ! Enculé ! Intéressant. Je ne pensais pas que les Covenants maîtrisaient si bien les sous-systèmes d'Halo. Les sous-systèmes d'Halo. Et notre puissance de feu est insuffisante pour les détruire. Cortana acquise. Vas-y, monte. Je vous écoute, Cortana. Vous avez trouvé le centre de contrôle? Négatif, capitaine. Les Covenants nous barrent la route. Pour continuer, nous devons désactiver le système de sécurité d'installation. C'est con. Bloqué par une porte, exactement. Foutu porte. Une fois qu'on y sera, le contact sera peut-être coupé. Mais on peut la péter la porte. Vous avez ordre d'utiliser tous les moyens. Bah non, justement, elle vient de dire vraiment, on ne peut pas la casser. Ça te suit pas le jeu. Non, mais RP parlant, on peut la péter. On va arriver au centre avant les Covenants. Bah non. Tout est pétable. Oui. Bah non. Allez. Et pour 419, allez. Deuxième section prête à intervenir dès que tout le monde sera sur le niveau supérieur. Zone d'atterrissage apparemment sous contrôle. Et pour 15, allez. Bonne chance à tous. Ici Keys, terminé. Et pour 117, allez. Le dispositif de sécurité. Pour Forhammer, allez. Pour le Warthog, allez. Même à l'intérieur de l'île. Yahoui. A pété. Encore un effort. Encore un effort. Oh putain. Oh putain. Je vais me le faire. Merde. Désolé, je suis pas ralenti au moment où il fallait. PNJ, défonce-les. C'est bon. J'ai prié. Voilà. Peut-être avancer au Warthog, attends. On peut peut-être. Hein. Non, passe à gauche, passe à gauche. Non, mais. Passe à gauche, je te dis. Même à gauche, ça passe pas. Ah putain, pas grand chose. Ah, si. Ouais, ça passe pas, hein. Ça passe pas, tu dis. Regarde où je suis.
Mon cul que ça passe pas. Ah, t'es pas un vrai. Voilà. Viens, allez viens. Regarde, tu vois, ça passe pas, regarde. T'as vu, ça passe. Même entre eux, même à travers les arbres. Ta gueule, toi. T'as vu, ça passe. J'avais dit que ça passait. Merde, c'est pas le bon bouton. Merde où? Attends, mais viens dans le Warthog. Ah, ça passe pas là. Si je passe à gauche. Allez, 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 allez. Ouais, j'arrive à avancer. Yes, yeah, yeah. Allez, yeah, j'arrive à passer, moi, t'as vu? Bouya, bouya, qui a dit que le Warthog pouvait pas passer? Aïe. Tu l'es. Tiens, cadeau. Cadeau, je t'ai dit. Cadeau. Ah, je suis mort. Va pas aller plus loin. Planktwee. Ta gueule, le chat. Je m'enfuis. Il s'enfuit. Je m'enfuis. You're dead, you... You're my motherfucker! Allez, let's go! Comment péter le jeu? Putain, par contre... Pas du tout appuyé sur les bruitages, c'est ça qui est bien. Yeah. Mettre headshot à la tourelle quand même. Faut le faire. Hein. Attends, faut que je recule. Hop là. C'est parti. Putain, heureusement que les Warthogs soient destructibles dans la loi. Putain, oui. Qu'ils ne le sont pas dans les suivants, c'est ça? Non. Je crois que tu t'es foiré. Mais je crois qu'il va falloir trouver une autre issue. Oh, c'est une autre issue. Tu vas voir s'il faut une autre issue. On peut rentrer par là, normalement, non? T'es où? T'es là. Je crois qu'on peut rentrer. Attends, attends, tiens, viens. Il y a un passage, là. Oh la putain, attends, il me fait un demi-tour chelou mon truc. Ah oui, non, mais là par contre à l'intérieur ça va être compliqué. En Warthog. Mais non. Regarde, hop là. Bah, à partir de là, je veux bien, ok. Mais bon, là, allez, ta puissance de feu, en avant. Wouah, yeah. Oui, je suis mort. Ou parce que tu m'as servi de bouclier humain, très clairement. Je m'en fous là, ma fille. Oh putain, hein, merde. Ah. Ok. Point de contrôle juste avant. Ouais. Avec le Warthog en plus. Mais non, mon Warthog! Le Warthog! Le Warthog! La Warthog. You're my motherfucker! Ah, oui, oui, oula, oui. Excuse-moi, tu vas mourir. Voilà. Je sais. Alors, faut que je retourne avec le Warthog. Bon, d'accord, je vais prendre le pas le Warthog.
Ah, en plus j'ai que des armes de merde là. C'est pareil, j'ai pas de grenade. Ouais. Que des armes de merde et pas de grenade. Bon voilà, je suis mort. Et dans 4 secondes aussi. 1, 2, 3, 4. Non. C'est quoi cette artillerie? C'est quoi cette artillerie? Écoute, hein. Je pense qu'on peut arrêter les frais maintenant. C'est quoi ça? Oh, j'ai trouvé des trucs chelous, je sais pas ce que c'est. Salut, hein. Une espèce de cube avec un truc rouge dedans. Qu'est-ce que c'est? Allez, c'est bon. Utilisez le panneau holographique. Est-ce que tu veux que je finisse le niveau ou pas? Non. Non. Parce que moi je suis passé. Oui, oui, je vais passer aussi du coup. Alors je peux essayer de récupérer le crâne en attendant. Non, il est pas là. Non, merde. Il y a un truc à activer là. J'ai activé un truc. Voilà. Comme quoi. Mais ça a ouvert le machin de l'autre côté du coup. Ça devrait ouvrir la porte menant au puits principal. Ah, faut faire demi-tour. Ça c'est beau. Bon bah demi-tour, hein. Ah oui. Ah, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Un réflexe ou... Merci. Par contre, compris, on arrive. Ah oui, bah oui, bah oui, bah du coup on les a pas tués, hein. Bah oui. Esquivé. Bah, on se casse. Allez. Chef, Bravo 22 nous apportait des armes lourdes. J'ai pensé que ça nous aiderait à combattre les Hunters. Descendons sur la plage. Essayez de sauver la cargaison. Il y a plein de monde là-bas, là. Vas-y, allume-moi ça. En avant. Yahoui. Mais c'est fou! Ah, t'es mort? Merde! Mais c'est fou de faire ça! Reviens, reviens! Reviens! Bah, je me fais tirer dessus, je fous. Pardon. Oh, il m'a eu, mais c'est merde. Je sais, je suis même tiré dessus, je vois un boule vert, je me dis, oh, ça va aller, c'est le Warthog qui encaisse. Pouf, je suis mort. Ah, ça me fume. Oh, attends. Y'a pas des armes stylées? Hein? Non. Mais. Oh, oh! Double Warthog. Mais du coup, ça sert à rien, celui-là, il y en a qu'un des deux qui peut tirer. Ah, je me suis raté. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. Tu parles du pilote actuel ou du pilote d'avant? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je tiens à dire que j'ai pas besoin de tourelles pour tuer des gens. Allez. Ah oui, attends. Mais il m'a fait TP, putain. Allez. Eh. Ah non. Cinématique. Tic. C'est profond, cette merde. Oh. Tu veux pas de la paix, toi? Non, je me suicide. Dans le vide. Du coup, t'es apparu dans le vide. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ma mort, tu n'auras jamais! Je me suicide! Salut!
C'est con. C'est un suicide collectif. C'est ça. Alors, du coup, là, on est passé par là. Reste par terre. Bah, je suis mouru. On se demande bien. Bah, tu m'as lancé une grenade, connard. Lancé une grenade. Tu m'as lancé une grenade, enfoiré. Salaud. Salaud. Un coup de grenade. Ah. Ils sont partout. Fuir. Faire réapparaître le copain. Le copain réapparu. En avant. Attends, t'es où? Bah j'ai avancé. J'ai essayé de réapparaître, je suis dans la salle d'à côté là. T'es où? Réapparaître. Ah, merde, c'était toi, pardon. Oh putain. Réflexe. Ah oui, flemme. Ah non d'accord, on meurt comme ça, ok. D'accord. Tu vas descendre dans le niveau en dessous là? Ah si, ça marche. Quoi? Ah, moi j'ai vu qu'il y avait des. J'ai glitché en gros, je sais pas, enfin j'ai glitché, j'ai continué d'avancer en utilisant des passages rapides. Oh, oui, du coup il y a. C'est le moment d'aller. Wow! Du coup il y a aucun ennemi sur mon chemin, du coup je peux avancer. Oh, c'est tellement bien. C'était quoi? Camouflage activé. Tout va bien. Dans ton cul. Encore un poste là. Analyse. Ouais. Le centre de contrôle d'Halo se trouve là. Si mon interprétation est bonne, cette structure est une sorte de temple ou de sanctuaire. Intéressant. Intéressant, n'est-ce pas? Ce n'est pas un lieu habituel pour abriter une telle installation. Cortana à Capitaine Keyes. Conade. On a perdu le contact avec le capitaine, Cortana. Mais ça suffit! Tu m'as fait exprès. J'ai lancé un grenade sur l'ennemi, t'étais trop proche. Et dites-lui que l'adjudant et moi avons trouvé l'emplacement du centre de contrôle. On s'y rendra dès qu'on aura rejoint le niveau supérieur. Affirmatif. Je sais pas où il va. Bah j'explore. Voilà où je vais. Faut aller tout droit. Et j'explore. Oh! Musique! La version métal! Oh! Bon, bouffez ça, vous m'emmerdez, vous. J'ai raison, fait pas aller tout droit. Oh le. Oh putain. On tourne en rond là. Ah, par là. Musique. La différence. Et musique. Cadeau. T'as pas pété. J'ai prévenu, ça va péter. Pourquoi? T'as pas écouté, j'ai dit ça va péter. Mais j'ai entendu. Mais ça pourquoi va? T'as pas fait une grenade, j'en pouvais utiliser une. Tiens, regarde, ça va péter. Oh, ça va péter. Ok. Ça va péter là-haut. Cadeau. Voilà. Il m'a poussé, je suis mort. Oh merde. Oh merde, il me suit.
Mais non. Je peux pas réapparaître, moi. Suicide-toi. Mais non. Là, il peut pas me suivre. Merci. Comment on prend le contrôle? Putain, mais on y vient de par là. Oh putain, il est là. Il est là, l'enfoiré. Grenade, j'en ai pas. On a pas besoin de grenade. Oh, par réflexe. Grenade. Oh putain, c'est quoi? Vas-y, mais tiens le dieu! J'ai plus de munitions. Par terre. Putain, c'est fou ça quand même. Surprise, motherfucker! Ouais, c'est nous. C'est nous, on est là. Plus de muni, merdoum. On va se battre. Par là. Pas par là. Donc, je sais par où c'est pas. Il manque plus qu'à trouver par où c'est. Mmh. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah. Je crois que cette porte, j'ai toujours du mal à la trouver. Je sais pas où t'es. Oh, t'as j'ai vu la porte, c'est bon. J'ai vu la puerta. Allumez-les. La puerta. La puerta, por favor. La puerta. Ah, c'est bon. Hey. M'a saoulé. Ah, c'est bon. Ouais, tout le monde est mort. Non. On est en bas. Mais bon, ça... Pas par là! On va passer par où on est arrivé, quoi. De toute façon. Ah! Une grosse épée! Oh. T'es dans le noir, toi, dans ta map, c'est impressionnant. Tandis que moi, je suis ultra lumineux. Non, pas par là. Par là. Dans le Warthug. Il nous attendait, le Warthug. Charrière. Une demi-tour, attends. Fais un créneau. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, c'est un créneau. Je me rappelle que c'est la souris cette merde et pas au clavier. C'est le seigneur des camps, tu vas. Voilà, fais un créneau. Mais tourne. Mais ta gueule. C'est ça, étouffe-toi, t'as mort. Pas ma morph, c'est mes glaires. Et tout ça dans tes glaires. Cortana à Echo 419. Le chef et moi sommes au niveau supérieur. Évacuation demandée. Bien reçu, j'arrive. Yahoo! Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, on est esquive. Mais non, mais faut rester là en fait. Oui, bah. Je remonte, regarde. Hop. Ah, t'as vu, je suis remonté. Voilà. Allons-y. Salut les pharmacies, comment ça va? Si tu me dis le jeu il est fini, je me fais quoi? J'espère que votre analyse est juste, Cortana. Ce pélican n'est pas conçu pour ça. Positivez, Foamer.
Les Covenants s'attendront à tout, sauf à une intervention aérienne. Par le sous-sol. Oui, ok. Quoi ? Vous faire quoi, là ? Mais oui, c'est totalement ça. Intervention aérienne par le sous-sol. Tout va bien. Et tu sais quoi, carrément, je vais le noter, le intervention aérienne par le sous-sol, pour en faire un titre de VOD. Mmh. Attends. Ok. Surprise, motherfucker! Je ne peux pas aller plus loin. Bien reçu. On rejoindra le centre de contrôle à partir d'ici. Ok. Bonne chance, Farmer, terminé. Bah, moi je te propose de s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah mais il est parti. Et Nwick a disparu. Bah merde, c'était, c'était parti écrire, hein. J'ai pris note, moi. Moi, je prends note. Ah, mais moi, t'as pas un bloc-note devant ton pif. Mais non, j'ai pas de bloc-note. Un truc dans le genre. Parce que là, du coup, t'es parti et je disais, je te propose de s'arrêter là et de reprendre à partir d'ici pour la prochaine fois. Et bah, moi, ça me va. C'est une fin de niveau, ce début de niveau. Et bah, parfait. On est je pense, un tiers du jeu. Ah, quand même, on aura bien avancé. Je pense qu'on est. Bah. Du coup, la sauvegarde. Je crois qu'il y a 9. Du coup, 9 missions et ouais. On en a 3. Du coup, la sauvegarde, c'est toi qui l'as. Ouais. Ok. Bah. Après la sauvegarde. Bah, très bien. Bah, écoute, bah, dans ce cas-là, en tout cas. On lancera la mission, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Ah, il a quitté. Bah, oui. T'as enregistré. C'est juste que. Non, mais il n'y a pas de enregistré. Si on reprendra à tech de la salle de contrôle et fin, quoi. Ok. Bah, très bien. Bon, en tout cas, Franchement, c'est une bonne découverte. Bah, concrètement, c'est un peu ce que je faisais déjà de base, on va dire, en faisant du. Enfin, ce que je faisais déjà de base. J'exagère parce qu'en réalité. Je faisais que du multi, mais n'empêche que, quoi. N'empêche que, moi, c'est une. Ah ouais, le jeu, la crash. Un jeu à crash, toi. Le YouTube, de toute façon, pour vous, des bisous. On se retrouve la prochaine fois pour la suite du coup du gameplay. Je crois que la rediffusion, je vais la couper un peu. Ouais, c'est ça, en deux parties. Ou en une seule, je sais pas. Bon, bref. Vous verrez bien sur YouTube combien d'épisodes il sort, machin, tout ça. N'hésitez pas à venir sur Twitch, comme d'habitude, et à venir follow aussi, bien entendu, Nwick. De toute façon, tous ces liens sont en description, comme d'habitude. Salut tout le monde.